Nous lirons dans les psaumes au chapitre 105. Psaume chapitre 105 à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Psaume 105. Nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son saint, son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Considérez sa parole. Considérez ses promesses. Garde-les en ta vie. Tu verras ses merveilles. Considérez sa parole. Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, de tout notre cœur. D'avoir ce que c'est que tu as la grâce, que ta maison, Seigneur, c'est de ramener au Seigneur pour venir être impuissant pour moi. Oh Dieu, prends nos pas sur le buffet, Seigneur. Que tu as encore un jour de grâce pour mettre le bénéfice. Nous te sommes vraiment reconnaissants, mon Seigneur. Parce que les au fond de notre cœur, mon roi, réalisons combien tu es tellement si important pour nous, Père. Tu as dit dans ta parole que les cieux de la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Oh, nous sommes réellement dans la joie au bénéfice, Seigneur. Ça va que nous avons un enfant certain, Seigneur. Oh Dieu, que ce que toi tu as dit, demeure éternellement mon maître de vie, Seigneur. C'est pourquoi nous approchons à toi, mon bénévole Père Saint, que notre appui, que notre secours, mais aussi notre soutien, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire combien nous sommes heureux, Père, d'avoir chanté les chants de Sion pour t'avoir. Donc, Père, nous avons reçu encore devant ta face, mon bénévole Père, au Dieu, que c'est mon temps, combien nous t'aimons, mon bénévole Seigneur, en chantant les chants de Sion pour t'avoir, mon sauveur. Merci encore pour tous les convictions qui ont été chantés, bénévole Père. Merci encore pour les choses qui ont été faites pour ce matin, Seigneur. Oh, merci encore pour chaque frère, pour chaque soeur, Père. Merci pour tout, mon bénévole Seigneur. En plus, il y a encore tout, il y a encore mon bénévole Père puissant. J'ai entendu la prière de mon bénévole Père, Seigneur. Nous avons encore la force et la santé aussi, mon bénévole Père. Nous avons besoin de toi, mon bénévole Seigneur. Pour te servir encore, merci, mon bénévole Seigneur. C'est encore un jour de grâce, mon bénévole Père, mon Dieu. Nous pouvons vraiment sur ton soutien encore ce matin. Sur ta volonté, mon bénévole Père puissant. Et nous encore par ta main, mon bénévole Seigneur. Restaure-nous encore, mon roi. Donne-nous encore la force, mon bénévole Père. Nous avons vraiment besoin de toi. C'est un jour de grâce pour ce roi. Que ton nom soit béni en ton nom. Que nos frères, béni aussi nos soeurs, encore, mon bénévole Père, qui soient connectés.
sur toi ce matin. Et cela concerne différents pays, mon bénévole, oh Dieu. Sois bien-aimé, qui sont aussi venus de loin, loin de près. Nous prions pour que tu le bénisses, Seigneur, et que tu le fortifies encore aujourd'hui. Que ton Seigneur soit béni. Gloire sur le Seigneur à toi. Parle ta voix, supplie, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être rassemblés en son nom, comme nous pouvons aussi voir les saintes. L'Écriture nous fait savoir que le vivant, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent au éternel. Amen. Nous sommes heureux d'être parmi les vivants et d'avoir aussi la grâce d'être à lui afin de pouvoir le servir encore aujourd'hui. David pouvait le dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous aimons être dans la maison du Seigneur pour le servir de tout notre cœur et aussi pour pouvoir aussi lui offrir ce qu'il attend de nous, ce que nous nous offrons aussi à lui. Amen. Nous remercions le Seigneur pour notre frère André et notre sœur Brigitte aussi et notre bien-aimée sœur aussi, qui, notre sœur José aussi, est venue aussi avec eux. Et nous sommes dans la joie de pouvoir les avoir parmi nous. Amen. Que le Seigneur Amen. Le bénisse richement Amen. Et qu'il le fortifie beaucoup. Et notre sœur aussi, Esther de Lille, qui est aussi venue ce matin avec aussi ses enfants. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de nous avoir gardé le chemin, nous avons aussi envie ici. Nous remercions aussi les seigneurs pour tout un chacun de vous tous qui est ici ce matin. Aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont ici en connexion encore ce matin dans différents endroits. Combien nous réjouissons de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde encore des jours comme ceux-ci où nous pouvons réellement nous tenir dans sa présence pour qu'il puisse encore nous parler comme mon précieux frère. Je priais encore ce matin que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce d'entendre sa voix et qu'il nous aide davantage à pouvoir réellement nous tenir dans sa présence et aussi nous. Et alors tout à l'heure aussi, Dieu voulant, nous aurons aussi les services de baptême qui vont pour que le Seigneur bénisse nos bien-aimés qui vont réellement entrer dans les eaux du baptême. Car c'est vraiment aussi un moment aussi important pour nous aussi de pouvoir voir aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui se donnent réellement aussi de tout leur cœur à la parole de Dieu. J'ai passé, c'était hier, très tard dans la nuit, et j'ai été touché parce que mon frère Emmanuel, qui est un service technique là-bas, qui s'occupe de diffusion effectivement sur Internet, il m'a envoyé un email. Et j'ai été vraiment très touché dans ce qu'il m'a écrit dedans. Et parce que c'était aussi son anniversaire, effectivement. Et il remercie le Seigneur de la grâce qu'il lui a accordée, de pouvoir réellement aussi atteindre l'âge qu'il a atteint. Et il me faisait part, effectivement, du parcours à travers lequel il est passé, et que si vraiment il pouvait être vivant aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Amen. Je crois que chacun de nous peut vraiment dire aussi ainsi. Si aujourd'hui, si nous sommes vivants, c'est par la grâce du Seigneur qui nous a gardés, qui nous a accordé aussi la grâce d'être en bonne santé, pouvoir réellement être dans sa maison et nous ajouter encore un jour comme celui-là. Alors, dans ce qu'il écrivait aussi, il était préoccupé aussi, il avait deux questions qu'il m'a posées dans ce qu'il m'a écrit. Et je pense aussi que peut-être que ces questions peuvent aussi être aussi utiles à chacun. Je voudrais juste prendre un petit temps pour puisque répondre à cela. J'ai le mieux répondu, mais je crois que peut-être nécessaire que cela soit aussi reproduit aussi devant tous aussi pour que s'il y avait peut-être ce genre de questions dans l'esprit de quelqu'un, puisse aussi trouver la réponse. Alors, la première question qu'il m'a écrit, c'est ici, en disant dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11, voulons lire avec vous. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11,
selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors dans sa question, il pose la question en disant, Paul dit qu'il a posé les fondements. Qu'en est-il effectivement de cette écriture avec acte 2 lors de la prédication de Pierre? Alors, il nous pose cette question ici en disant, l'apôtre Paul dit qu'il a posé donc le fondement, comme il dit ici, je posais donc le fondement sur la grâce qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte. Alors, il dit, mais alors, qu'en est-il de cette écriture avec acte 2 lors de la prédication de Pierre? Donc, effectivement, dans sa question qu'il vient de pouvoir nous poser ici, il dit, mais si, alors, on nous dit que Paul, et comme il a dit qu'il a posé le fondement, mais alors, le jour de Pentecôte, lorsque Pierre a eu à pouvoir aussi apporter cette parole, et lorsque aussi de ceux qui étaient là, comme la Bible dit, leur cœur fut touché, ont été touchés, et ils ont posé la question à Pierre, aux hommes frères, que ferons-nous donc? Et Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez de l'écriture, non? Amen. Alors maintenant, je crois que sa question est de savoir, comme il a dit, effectivement, d'après ce qu'il a écrit, ce qui veut dire que là aussi, quand même, Pierre a posé le fondement. Puisque dans Acte 2, il a fait part, effectivement, de ce qu'il a écrit ce jour-là. Et aussi, maintenant, dans le livre de Corinthiens, Paul parle aussi de fondement. Alors, c'est pour savoir qu'en est-il, est-ce qu'il y a qui a posé les fondements, est-ce qu'il y a deux fondements, là d'un côté Pierre a fondé, et puis ici aussi l'apôtre Paul qui nous parle, qu'il a réellement posé le fondement. C'est quand même une question particulière, non? C'est vrai, non? Parce que quand on le lit, et il est bien, on voit c'est quelqu'un qui lit les Écritures aussi, qui comprend les choses aussi. Et quand j'ai lu cela, j'étais vraiment touché, je réalisais qu'effectivement qu'il avait une préoccupation, c'est ça. Quand je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, et c'est toujours quelque chose de très important, quand il s'agit en fait d'une question qui est en rapport avec les Saintes Écritures, il faut toujours trouver la réponse dans la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment grand. Il n'est pas comme nous. Avant que nous, nous puissions exister, Dieu existe. Amen. Donc, quand nous sommes sortis du sein de notre mère, Dieu nous connaissait. Amen. Les jours même qui nous étaient impartis, il le connaissait. Amen. Les pensées que nous allions avoir sur la terre, il le connaissait. Amen. Parce que s'il n'avait pas le contrôle, il ne serait jamais Dieu. Oui. Ce qui veut dire que cette question que mon frère a eu à pouvoir poser, Dieu la connaissait. Amen. Et comme effectivement c'est toujours en rapport avec sa parole, Dieu a toujours une réponse aussi dans sa parole. Amen. Quand il y a une question, il doit toujours, pas que je pense que, mais en fait, il doit toujours y avoir une réponse dans le Saint-Esprit. Alors, ici, il nous a bien fait part, effectivement, de ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens. Alors, il a mis en rapport acte 2 par rapport, effectivement, au fondement. Il faut toujours demeurer dans les Saintes Écritures. Quand nous prenons, effectivement, dans le livre des Actes au chapitre 2, et que nous lisons, effectivement, depuis le verset 1 jusqu'à la fin du verset 1, je ne vais pas faire tous les versets entiers, je pense qu'on dépasse verset 41, verset 42, verset 43, parce que je pense que c'est cela, donc, acte 2, et ici, acte 2, chapitre 2, verset 1, et nous allons jusqu'au verset 47. Et là, c'est à partir du verset 16, dont je pense qu'il a eu à pouvoir faire référence ici, lorsque Pierre dit c'est. Mais c'est ici, donc ces gens ne sont pas ivres, effectivement. Donc, verset 14, alors Pierre se présenta avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes, hommes juifs
et vous tous qui séjournez donc à Jérusalem, sachez ceci, écoutez l'oreille de mes paroles. Donc, c'est que cela, il dit. Donc, quand nous lisons cela, effectivement, il faut que nous prêtions attention, il n'est pas fait mention ou fait rapport avec le fondement. Dans ce que nous venons de lire, effectivement, dans les actes, effectivement, quand il s'agit effectivement de l'apôtre Pierre, nous devons nous rapporter effectivement à ce que Dieu a eu à pouvoir faire avec l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a eu à pouvoir dire à l'apôtre Pierre? Quand la question a été posée, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui a répondu. Et le Seigneur lui a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé ceci, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, mais sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes se trouvent de moi, ne faudront pas contre elle. Et il lui a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Pierre avait reçu les clés du royaume. Et le Seigneur avait été clair, effectivement, avec lui. C'est comme cela que le jour du Pentecôte, quand ces âmes ont eu à pouvoir entendre la parole de Dieu, effectivement, leur cœur était touché. Mais maintenant, ils avaient le désir d'entrer dans le royaume. Ce n'était pas Paul qui avait les clés. Ce n'était pas Jean qui avait les clés. Ce n'était pas Jacques qui avait les clés. Ce n'était pas Philippe qui avait les clés. C'était bien Pierre. Donc, c'était donc à Pierre de prendre maintenant les clés et d'ouvrir. Et ces jours-là, il a ouvert. Mais maintenant, quand tu as posé maintenant les fondements pour l'enseignement, alors là, Dieu a suscité un homme du nom de Paul. Amen. Et c'est même Paul, effectivement, comme j'ai dit, effectivement, dans le livre des Éphésiens, il est dit lui-même aussi, hein, il nous fait voir, effectivement, les choses d'une manière clairement ici, et dire. Éphésiens au chapitre 3, il dit, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Vos frères, je ne sais pas, c'est un Bible, hein, le 9-3, je voudrais me lire clairement à haute voix le verset 2, verset 2. Si du moins vous avez appris. Quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous? Merci, j'ai dit, verset 2. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Parce que dans ma version, il dit, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Dans votre version, vous avez entendu. Alors maintenant, verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vais décrire un peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et l'autorité dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui, la liberté d'approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause d'afflictions que j'endure pour vous et sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant raciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen.
Et ainsi donc, nous voyons que ce même homme, effectivement, l'apôtre Paul, et quand nous pouvons voir dans les Saintes Écritures, il est celui qui a pu mettre par écrit, effectivement, la manière dont l'Église doit marcher, comment les choses doivent se faire, effectivement. Il a posé véritablement un fondement, puisque même l'apôtre Pierre, dans les livres de 2 Pierre, chapitre 3, je pense que cela, il a fait même référence, effectivement, par rapport à ce ministère et la manière dont Dieu conduit, effectivement, l'apôtre Paul. 2 Pierre, chapitre 3, nous lisons cela. Et dit ceci, au verset 17, c'est l'apôtre Pierre qui dit, je vais lire à partir du verset 14. Et pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, et c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a de points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies donnent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Amen. Amen. Donc effectivement, quand nous pouvons voir aussi la Sainte Écriture, autant cet homme a eu à pouvoir écrire, et Pierre n'a pas écrit autant comme lui, Pierre n'a pas aussi été aussi dans la profondeur chose comme lui aussi. Vous pouvez voir effectivement que ce qui est Paul, il y en a tellement qui montrent effectivement comment les choses doivent se tenir effectivement. Donc, Paul a réellement posé le fondement, c'est-à-dire que l'enseignement profond effectivement, et qui montre effectivement sur quoi l'Église est appuyée, et c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Deuxième question, il dit, dans Apocalypse chapitre 21, verset 14, on parle de nom de 12 apôtres de l'agneau. Le 12e, est-ce Paul ou Matthias? Vous avez entendu? Vous avez entendu sa question? Alors, je réponds, cette question m'a été posée hier. Donc, hier, c'était le... Je l'ai vu à minuit, je pense, sur le 8. Nous sommes le 8 aujourd'hui. Le 10. Ah, je crois que je... Ah, je ne sais même pas mon... Donc, c'était donc. Aujourd'hui, donc. Vers minuit ou 1h, je pense, parce que j'étais en contact avec lui vers 1h du matin aussi, je pense. Alors, il vient de poser la question ici en rapport avec Apocalypse, chapitre 21, vous connaissez l'écriture? Apocalypse 21, vous connaissez cela, non? Amen. Ok. Alors, il dit, on parle effectivement des noms de 12 apôtres de l'agneau, le 12e nom, est-ce Paul ou Matthias? Nous sommes le 10 avril 2016. J'ai une feuille ici devant moi qui date du 15 novembre 2015. Alors je vais vous lire. Bonjour frère Léonard. Aujourd'hui, nous avons lu avec vous dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 14, que la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les noms de 12 apôtres de l'agneau de Jésus. Dans le livre de Marc 13, verset 13 à 19 et Luc 6, 12 à 16, Jésus choisit ses 12 apôtres. Le 12e apôtre de Jésus, c'est Judas l'Iscariote, c'est lui qui avait livré Jésus. J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, Léonard, si le nom de Judas fait partie aussi de ces 12 fondements et sur lesquels sont écrits les noms des apôtres de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. C'est signé Déborah Liban. Depuis le 15 novembre. Vous étiez ici, non? Amen. J'ai répondu à ça. Amen. Y a-t-il encore des éclaircissements qu'il faut donner? Bon, je n'ai pas encore le dernier point, peut-être. Parce que je disais d'abord combien. Vous savez, je suis toujours un peu comme un archiviste. Donc, ce que vous m'écrivez, je le jette presque. Si je reprends mes anciennes Bibles, il y a toujours des mots d'un frère ou d'une sœur à l'intérieur. Ça fait mal au cœur de jeter ce côté. C'est comme ça que je suis. Donc, même à la maison, madame, j'ai beaucoup de papiers. Alors, tu vois, donc, c'est pour dire qu'elle m'a écrit, croyant que j'allais la froisser, et c'est toujours dans ma Bible. Je crois qu'elle était surprise de savoir qu'elle était toujours là. Alors, je réponds maintenant à cette question dont j'ai déjà répondu, pour clarifier encore davantage. Il est vrai que la question qui se pose, c'est parce que Frère Branham, dans le jeu de prédication, effectivement, aurait fait part, effectivement, en disant que. C'est l'apôtre Paul qui serait effectivement amené à pouvoir être donc parmi les 12 apôtres.
Nous devons quand même réaliser une chose, c'est que notre précieux frère Branham était un homme. Il pouvait aussi arriver à pouvoir dire que moi je pense que c'est normal. Mais il pense comme tous les hommes. Mais quand il s'agit maintenant de choses qui concernent la parole de Dieu, il faut que Dieu lui-même soit responsable de sa réponse. Nous devons toujours avoir foi dans la parole. Alors, en rapport avec ça, ce n'est pas à moi de pouvoir dire que probablement c'est Paul. Non. Que disent donc les saintes Écritures? L'Écriture est assez claire, mon frère. Parce que Dieu ne peut pas renier ce qu'il a dit. Dans les Actes, chapitre 2, c'est assez clair pour cela. Je le lis encore avec vous, parce que je crois que nous l'avons déjà lu avec vous. Actes, chapitre 2. Et lui-même, mon frère, je crois qu'il m'a même fait part de cette écriture. Actes, chapitre 2. Chapitre 1. Actes, chapitre 1. Disons, je vais lire à partir du verset 15. Acte 1, verset 15, dit: en ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu de frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était donc compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont rompues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaume que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. C'est quand même extraordinaire. Amen. Dieu te bénisse. Amen. De voir la précision dans sa façon. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas comme des ramassis. Aujourd'hui, on fait de n'importe quoi. Aujourd'hui, on est un peu piqué par quelque chose comme ça, on se lève demain, on se fait prédicateur. Et ce qui est douloureux, ce qui est triste, c'est voir que vos frères, en fait, c'est vous qu'on cherche à tirer à gauche, à droite. Comment pouvez-vous, vous qui êtes instruit dans les saintes écritures, vous ne prenez pas les questions pour la parole de Dieu, et vous suivez n'importe quoi comme si vous ne savez pas quelle orientation vous prenez. Cet homme, c'était pas quelque chose qu'il fallait prendre à l'esprit. Quelqu'un qui a été avec nous, qui était avec le Père de Dieu, il dit, je lis encore le verset, pardon, il dit, donc, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Donc, c'était un témoin. Pas un témoin de Pierre ou un témoin de Jean. Non, monsieur. Parce que je ne vais pas avoir vécu avec William Branham, ça ne fait pas de moi un prédicateur. Parce que beaucoup aujourd'hui, j'ai été avec le prophète, j'ai fait cesser les prophètes, ça donne une autre. C'est comme ça que le message aujourd'hui, non? Quand tu dis que j'ai été avec les prophètes, on dit, ah, sûrement, ça n'a rien à voir. Amen. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut avoir été avec le Seigneur Jésus. Amen. Moi, je peux dire, mon frère, moi, le Seigneur m'a conduit, m'a parlé. Amen. Donc, chaque frère, chaque soeur doit avoir ce témoignage. Amen. C'est celui dont on doit se référer. Mais aujourd'hui, les gens tremblent comme ça. J'ai été avec les prophètes, j'ai bu, je suis avec lui. J'ai mangé les chicons avec lui. C'est sûr et certain. Donc, nous avons besoin de ceux qui ont eu l'expérience véritable avec le Seigneur. Il dit, verset 22, il dit, donc, de tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Donc, quelqu'un qui est fidèle. Amen. Donc, malgré le tourmoiement à gauche et à droite, les troupes qu'on nous chassait, eux, ils étaient toujours accrochés quand même. Amen. Vous voyez, on cherche donc des hommes fidèles, effectivement, dont on a vu que malgré la tempête, malgré les secousses, malgré ceci et cela, il ne bouge pas. Il est toujours accroché, effectivement, il dit, moi je sais où je me positionne.
Frères et sœurs, ce qui dit que j'ai aussi besoin d'avoir des hommes et des femmes de confiance. Amen. Aujourd'hui, tu as le frère, demain, il change les gars. Comment veux-tu avoir confiance? Aujourd'hui, tu as la sœur, demain, il change. Comment veux-tu avoir confiance? On a, le Seigneur avait aussi des sœurs qui étaient là, mais des confiances, mon frère. C'est la Bible, mon frère et ma sœur. Des frères de confiance qui ne bougeaient pas. Pourquoi je me souviens que le frère, quand il voyait comment il était persécuté là, comment on les critiquait par ceux qui étaient même plus proches, il dit maintenant, je vais vous demander une chose à tout ce qui est autour de moi, signez un papier. Amen. Je ne dirai rien de mal au pasteur, ben non, mais si, même s'il s'est passé ça, donc je garderai toujours un signe, vous connaissez, non? Donc il a fini, mais pour me protéger, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Signez ce document, si vous voulez travailler avec moi, signez, dites toi, nous signons, nous restons avec toi. Il dit, ah, le frère a souffert, frère. C'est pas facile. Mais avoir des frères de confiance. Et tu peux dire, non, Seigneur, même la tempête est là, ça s'écroule, mais il s'accroche toujours. Il dit, je sais, comme Josué avec Moïse. Amen. Dieu a besoin non seulement des hommes, mais des femmes. Amen. Vous vous souvenez, quand les hommes l'ont abandonné, ce sont les sœurs. Ils n'ont pas bravé l'interdit même du Ponce Pilate ou de Sanhédrin. Non, monsieur, même si c'est vrai que l'armée est là, ils sont partis. Que Dieu bénisse ça. Même mort. Même mort. Il dit, nous sommes venus les chercher. Amen. Où est-ce que vous avez mis son corps? Amen. Ça, c'est vraiment énorme. Amen. À la résurrection, c'est eux qui sont partis annoncer. Ce n'est pas les frères. Il faut qu'on lise bien les Écritures. Ah oui, certainement, non. C'est vrai que nous devons connaître notre Dieu et que les choses soient à l'heure. Nous devons avoir quelque chose de Dieu au-dedans de nous. Amen. Et nous cimente, effectivement, et qui nous fait de nous comme Élisée. Que Élie chassait, dit, mais va-t'en, je vais là-bas. L'homme s'est accroché. Amen. C'est quand il a vu cet amour, cette détermination, mais cet homme a vu ce qu'il voulait. Donc, il m'a dit, nous continuons. Donc, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous avez compris? Amen. Alors il dit, ils en présentèrent deux. Joseph, verset 23, appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne le cœur de ces deux que tu as choisis, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Vous vous souvenez? Amen. Si cet homme et ces pierres a eu à pouvoir prendre cette décision comme ça, c'était pas Pierre. Amen. C'était le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que l'Écriture devait s'accomplir. Qu'un autre, effectivement, prenne sa chasse. C'est ça, non? Donc, c'était écrit. Donc, ce qui était écrit dans. Je pense que probablement les gens ne pouvaient même pas s'en souvenir. Mais autant marqué le Saint-Esprit devait l'Écriture. Il dit voici l'homme, l'Écriture. Et c'est par la bouche, effectivement, de l'apôtre Pierre que le Seigneur a voulu mettre de l'ordre dans cela. Alors, maintenant, quand ils ont prié, effectivement, Saint-Esprit, le Seigneur, c'est pas à nous de pouvoir faire les choix, mais c'est toi. Parce que qui a choisi les apôtres, c'est bien toi, pas nous. Donc c'est toi qui connais le cœur, effectivement. Alors, et il tira le sort, et il tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, la Bible dit, qui fut associé aux onze. Alors, comment voulez-vous effacer cette écriture? C'est assez clair que Matthias fut donc associé aux onze, donc il devient le douzième. Je n'ai pas vu ici. Sinon, si c'était Paul, je lui dis non. Non, Pierre, pas maintenant. Attends, parce que j'ai encore un homme que je veux appeler. Amen. Il est capable de le faire. Amen. Non, il a voulu que ça se passe à ce moment-là. Amen. Et Matthias a été donc désigné. Et c'est Matthias qui a pris la place du douzième. Mais non, Paul a sa place en lui. Amen. Dieu l'a utilisé. C'est ça l'erreur que nous commettons en fait. Quand nous regardons effectivement les choses, nous faisons des déductions. Oui, parce que non.
Quand un homme a un ministère, Dieu l'utilise, il a sa propre place. C'est pas nous de donner la place à la personne, mais c'est Dieu qui donne la place. Amen. Regardez, par exemple, parmi les apôtres. C'est vrai, si on pointe Paul, effectivement, Paul, Dieu l'utilise de manière particulière. Mais c'est là peut-être qui a poussé les gens pour dire, oui, mais c'est Paul qui a pris la place, effectivement, de deuxième. C'est pas conforme aux Saintes Écritures. Parce que, regardez très bien, si on est parti avec cette pensée-là, parce que Paul a fait, Paul a fait, mais regardez, dans l'Écriture, effectivement, je crois que notre jeune sœur nous a donné l'Écriture de Marc 13, Marc 3, et puis vous lire d'abord aussi Marc, dans Matthieu, chapitre 10, je crois. Matthieu, pardon, je ne peux pas avoir une illustration, je crois, ici. Matthieu, chapitre 10, le verset 1, il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 2. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Vous le connaissez, non? Et André, son frère, vous connaissez aussi, non? Et puis, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe, vous connaissez, non? C'est pas vrai? Amen. C'est important quand je vous pose la question. Amen. Philippe, vous connaissez, non? Amen. Ok. Et Barthélemy? Thomas, vous connaissez un peu, non? Amen. Ok. Mais maintenant, regardez bien. Mathieu, vous connaissez? Amen. Jacques, vous connaissez? Amen. Et Thaddée? N'est-ce pas? Bon, maintenant, on nous parle aussi Simon, les Cananites. Vous connaissez? Mais pourtant, c'est aussi des apôtres. Donc, leur nom se trouve sur le fondement. Parce qu'ils étaient là choisis, sauf Judas, vous comprenez. Donc, c'est pour dire que Barthélemy, par exemple, on n'a pas entendu ce qu'il a fait. C'est vrai ou pas? Bon. Thaddée, par exemple, vous n'avez pas entendu ce que Thaddée a fait? Mais pourtant, Thaddée, son nom est sur le fondement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a vu Paul comme ça, on dit, ah, certainement. Non, 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 non. On doit toujours rester dans le Saintes Écritures. Nos émotions et nos pensées ne sont pas comme Dieu. Amen. Dieu a sa façon de voir les choses et de faire les choses. Comme j'ai toujours eu un dit, frère, c'est pour ça que je parlais là-bas quand la sœur Esther, là, de l'autre côté, me posait la question. Il dit, mais j'ai toujours dit. Les gens, dans ce temps ici, ils attendent effectivement que Dieu, certainement, il va faire quand il va, comme il m'a dit, il a dit effectivement, il le fera, certainement. On va voir, ça sera des grandes choses. Mais regardez, frère, c'est ça. Regardez, frère, c'est ça. Quand Dieu doit faire les grandes choses, quand il le fait, ça passe inaperçu aux yeux des gens. Amen. Quand la promesse avait été faite en rapport avec Jean-Baptiste, c'était une promesse glorieuse, grandiose effectivement. Mais quand Jean-Baptiste entra en scène, et quand il a quitté un problème, donc, et surtout maintenant pour Christ lui-même, le Messie qui devait venir, et c'est vrai toujours effectivement que, comme au temps où Moïse, quand Dieu, effectivement, descendit sur la montagne tremblait. Mais alors, quand le Messie va venir, mais le temple va être illuminé, les anges vont descendre tout autour, faire beaucoup, crier, chanter, effectivement. Ils entendaient des grandes choses. Mais quand cela s'est accompli, c'était tellement dans une telle simplicité. C'est vrai que les gens attendent, effectivement, que Dieu va faire des grandes choses. Quel réveil va avoir lui, effectivement, ses frères et sœurs. Vous ne remarquez rien, frère. Ah, on attend effectivement que les gens vont, boum, le réveil est là, frère, boum, le Seigneur est en train. Mais le Seigneur est en train d'agir déjà. Amen. Les yeux de beaucoup ne voient pas, frère. Parce qu'on attend effectivement l'action de Dieu. Qu'est-ce qu'on attend? Oh, certainement, comme il a fait avec William Branham, si cela était dit, ça va être comme ça. Mais c'est vrai, frère. Mais c'est que nous devons comprendre effectivement ce que William Branham, c'était William Branham. Amen. Comme certainement, Moïse était Moïse. Amen. Et dans ce temps dans lequel nous vivons, les yeux des hommes ne doivent pas être fixés sur un homme. Les yeux des hommes sont fixés sur l'homme. Amen. Pas sur un homme, mais sur l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand j'ai dit l'homme avec grand H, c'est pas l'homme, Amen. Mais c'est Jésus le Christ. Il a dit une chose, il a dit une chose, mon frère. Le monde ne me verra plus. Amen.
Quand le Seigneur parle, frères et sœurs, nous devons vraiment prêter l'oreille et être très attentifs. Et c'est vrai, frère, c'est parce que nous ne sommes pas attentifs, nous avançons comme des cochons. Mais non, frère, nous devons avancer comme des brebis. Amen. Les brebis, effectivement, ils suivent la voie de l'agneau. Enfin, du berger, par le berger, effectivement, et il marche à sa suite. Il a dit, mais mes brebis entendront ma voix. Il n'a jamais parlé, effectivement, que les cochons vont entendre sa voix. Non, vous pouvez appeler les cochons, ils disent, gros bélé, effectivement. Il fait beaucoup de bruit, effectivement. Mais la brebis, elle veut entendre la voix du berger. Amen. Parce qu'il veut savoir qu'est-ce que je dois faire, où aller. Parce qu'une brebis, elle ne peut pas se défendre elle-même. Amen. La brebis a toujours besoin, en fait, du berger. Il a dit, vous, le monde ne me verra plus. On est lire avec vous, on est lire dans les livres de Jean, je pense. Jean 14, je pense. Jean 14. Verset 15. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est clair. Hein? C'est pas possible que tu sois vraiment mondain, que tu aies une partie effectivement du monde en toi, que tu reçoives l'esprit de vérité. C'est pas possible. Parce que le monde ne peut pas le recevoir. Pour que toi, tu le reçoives, il faut qu'il y ait un travail. Ce matin, ça peut nous baptiserons notre frère Jean Bosco. Vous vous souvenez, je vous dis. Jean Bosco, il priait, vous allez, j'étais touché par ces jeunes hommes, mon Dieu. Il me dit qu'il allait parfois même rester toute la nuit dans la chapelle catholique. Parce qu'il voulait vraiment plaire à Dieu, effectivement. Mais depuis qu'il était dans la chapelle catholique, effectivement, il n'a pas changé. Amen. Oui. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais Dieu qui connaissait Jean Bosco. Amen. Et dont on parlait avant de le connaître. C'était miracle. Vraiment, Dieu a une façon extraordinaire. Amen. On était accroché à Jean Bosco, c'est que la voix qui sortait appelait Jean Bosco. Amen. Et Dieu bénit Pasteur Tantas. Amen. Alors Jean Bosco, quand il a été tiré à venir, ne fût-ce qu'écouter un peu, c'est la sœur Dorcas qui lui a parlé. Amen. Comme Dieu fait les choses. Amen. Et il dit, je viens une fois pour écouter. Quand il est venu, qu'il a écouté, alors il a pu voir effectivement que. Il me dit, mais mes yeux s'ouvrent. Il dit, mais même les cheveux. Amen. Amen. Alors que quand j'étais là-bas, j'ai pensé bien, je suis bien comme ça, c'est Dieu. Donc, je dis, mais alors quand la parole commence à pouvoir entrer dans mon âme, alors j'ai dit, mais la voix fait bondir, mais les cheveux sont pas bons, il faut couper. Qui lui a dit? Je ne lui ai pas dit. Je ne lui avais pas dit. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. La sanctification. Amen. Le monde doit sortir. Amen. Parce que Christ doit entrer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Amen. La Bible dit, je crois que c'est dans 1 Jean, je pense. 1 Jean. Jean chapitre 2, verset 15. Vous avez dit comment ça, verset 12, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malheur. Ça, la victoire, vous l'avez. Amen. Ma soeur, rien ne pourra vous nuire. Avec la parole que vous gagnez à votre cœur, la victoire vous l'avez. Verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, on ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas arriver à pouvoir avoir, comme effectivement dans l'âge de la Odyssée, effectivement, oui,
Ils ont, d'un côté, ils ont le monde, de l'autre côté, ils ont Dieu, mélangés ensemble. Ils pensent qu'effectivement qu'ils voient, ils pensent qu'ils comprennent. Mais ils ne voient rien, ils ne comprennent rien, parce qu'ils sont aveugles. Alors, ici, il dit, verset 17, Jean 14, verset 17, il dit, et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, et toi qui s'est donné de tout ton cœur au Seigneur, amen. Tu as dit, Seigneur, malgré ce que le monde peut me donner aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir ne rien avoir avec le monde, amen. Même si je dois être insulté, amen. Traité des arriérés ou des faibles d'esprit, parce que je crois en toi, amen. J'accepte, amen. Mon Seigneur, mais mon âme est à toi. Amen. Quand tu as pardonné ainsi le monde, sois sûr et certain, amen. Que le Saint-Esprit, amen. Tu l'auras, mon frère. Amen. Parce que tu n'as plus rien à voir avec le monde. C'est pourquoi même nous sommes conduits au baptême, parce que je veux mourir vraiment à ce monde, Seigneur, à tous ces sentiments-là, pour que toi, tu prennes le contrôle. Alors à ce moment-là, maintenant, Dieu, on dit, mais que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Vous avez compris, non ? Amen. On a parlé ici une fois. Verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Là, il a parlé ainsi, effectivement, et puis après, clairement, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que, vous vous souvenez, il dit, mais je prierai le Père pour que vous ayez un autre consolateur. N'est-ce pas vrai ? Amen. Et puis ici, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. C'est clair ? Que l'esprit de vérité, c'est bien lui. Amen. En nous, c'est sûr et certain. Et puis il continue, il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Amen. Le monde ne me verra plus. Amen. Oui, bien sûr. Et le monde ne me verra plus. Et puis il dit, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Et maintenant, bien, frères et sœurs, il dit que le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 51 ou 52, je pense que cela, l'écriture nous fait part, ici, c'est, je pense que c'est cela, Ésaïe, je pense que nous allons le trouver, 51 ou 52, je pense que c'est cela, oui, 52, Ésaïe 52. Vous allez lire, quand il a entendu là-bas, il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous vous souvenez? Et vous, quand nous lisons cela, nous devons toujours effectivement nous placer dans le contexte. Si nous lisons, nous avons lu cette écriture dans Jean 14, non? Donc Jean 14 vient après Jean 13. Vous vous souvenez? Jean 13, c'est là où Judas l'Iscariote est parti. Et que maintenant, le Seigneur a commencé à parler aussi clairement en donnant la promesse à ses disciples. Donc, il n'y avait pas un soi-disant là. Parce que Judas l'Iscariote était déjà parti. Et c'est maintenant qu'il dit, mais vous, vous me verrez. C'est pour que vous sachiez effectivement à qui est-ce que le Seigneur s'adresse vraiment. Ce n'est pas à tout le monde. Alors maintenant, verset, chapitre 52, verset 1, il dit, Ésaïe 52, verset 1 dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Ce n'est pas en fait dire ou Sidon dont il se référait ici. Ce n'était pas effectivement l'Égypte dont il parlait, effectivement, ou une autre ville en réalité ou quoi que ce soit. Non, il parle bien effectivement de Sion. Prêtez attention à l'écriture. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni un pur. Secoue donc ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Donc toi qui es dans l'esclavage, effectivement, parce que regarde bien, il détache effectivement les liens de ton cou, captive de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit à l'Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Quand mon peuple a été donc gratuitement enlevé,
Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle, mais voici. Amen. Vous avez remarqué, frères et sœurs, comment il a eu à pouvoir réellement parler dans Ésaïe chapitre 52, parlant effectivement, il ne s'adressait pas à n'importe qui, mais il s'adressait effectivement à la fille de Sion. Sion, effectivement, comme nous l'avons entendu, effectivement, étant, c'est le nom poétique, effectivement, de Jérusalem. Jérusalem, effectivement, c'est la ville, effectivement, que Dieu avait choisie lui-même, parmi tant d'autres villes, effectivement, pour effectivement y placer son nom. Et c'est là, effectivement, aussi qu'une maison a été aussi bâtie, effectivement, pour lui. Et ses yeux ont été à cet endroit, effectivement. Et là, il dit, mais réveille-toi, secoue-toi, effectivement, parce que là, Jérusalem était effectivement en captivité, en fait, effectivement. Et puis, quand on est en captivité, effectivement, c'est beaucoup de choses qui viennent, en réalité. Et tous ceux qui ont assisté la personne, effectivement, ben, ils avaient comme, par exemple, pour que nous puissions être clairs, mais comme, effectivement, en Égypte, en réalité, le peuple d'Israël était opprimé, effectivement, par les Égyptiens. Donc, les Égyptiens, maintenant, leur imposaient ce que eux voulaient. Donc, le peuple ne pouvait plus faire, effectivement, ce qu'il pouvait vouloir faire. Mais l'Égyptien lui imposait effectivement ses dogmes, ses si et ses non. Il devait absolument faire ce que l'Égyptien voulait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la domination. Quand le péché domine sur toi, prenons l'exemple. Tu es alcoolique. Tu aimes boire la bière et l'alcool, effectivement. Quand tu passes quelque part, rien que l'odeur de l'alcool, même si tu prends ta main, tu les lis comme ça, tu feras tout pour briser les liens. Amen. Pourquoi? Parce que l'alcool doit passer. Il y a quelque chose dans la personne qui a dominé sur la personne. Cette personne, effectivement, a besoin de l'alcool. C'est pourquoi on a beau frapper, l'alcool c'est mauvais, ceci, effectivement, mais la personne ne peut pas écouter. Parce que quand elle rentre à la maison, mais ces démons vont lui dire, mais écoute pas ces vieux-là, ils racontent des âneries. Toi, tu dois prendre que Dieu est bon. Puisque tu pries Dieu, tu aimes Dieu. Un petit verre, ça ne passe pas de problème. Tu peux prendre ceci. Il va te dire. Mais comme il y a maintenant une domination sur toi, tu seras obligé. Ce qui domine sur toi va avoir le dessus sur toi. Donc il va t'imposer les voies faites. Et tu le feras. La même chose avec la cigarette. Ainsi, ainsi. Donc on a beau te dire, mais il ne faut pas fumer. Tu ne sauras pas de ne pas fumer. Parce que tu es esclave. C'est pourquoi il dit, mais. Si le Fils te libère, amen. Si le Fils te libère, amen. Alors tu es vraiment libre. Amen. Personne ne peut dominer sur toi. Amen. Non, monsieur, c'est pour dire, vous les avez vaincus. Amen. Donc vous avez maintenant la victoire. Amen. Pourquoi, mon frère? Parce que c'est lui qui est en vous. Amen. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est pourquoi l'Écriture le dit. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Amen. Je serai certain. C'est écrit d'abord dans les Saintes Écritures, hein, vous le dites avec vous. Eh oui, monsieur. Dans Jean, je pense. Jean chapitre 3. Et je vais vous lire cela. Matin, Jean chapitre 3, nous lisons la partie du verset. Voilà, partie du verset. Verset 6, il dit. Verset 6, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Verset 7. 1 Jean 3, 7. Petits enfants, que personne ne vous éduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je répète encore, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Et puis il dit, c'est par là qu'ils se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mm. Ah ben oui, quand on est né de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, on a été délivré. Amen. Parce que nous étions sous cette emprise, effectivement, par l'essence par laquelle nous sommes venus. Satan avait la possibilité, parce que nous sommes venus dans le monde, effectivement, comme cela avec les pensées de nos parents, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est dans le monde était donc en nous. Et Satan dominait. Aller dans les boîtes de nuit, ça ne dérangeait pas. Voir, effectivement, des injures, tout ce qui est là, on le faisait sans problème, sans vraiment. Parce que c'était la nature du péché était dans nous. Mais maintenant que quelque chose s'est passé, parce que frère, ça, la Bible nous dit effectivement que Christ est mort. Regardez bien, 1 Corinthiens 15. Pourquoi est-il mort? 1 Corinthiens chapitre 15. Dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes aussi sauvés. Pour autant que vous l'atteignez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3 dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc il est mort effectivement pour nos péchés, pour que, effectivement, parce que aussi longtemps que le péché régnait en nous, Satan avait les droits. On était esclaves, effectivement, parce qu'il dominait sur nous. Donc, il pouvait nous faire n'importe quoi. Mais quand Christ est venu maintenant, il a payé, et toi, tu avais besoin de la délivrance, c'est-à-dire que de ne plus être esclave. Pourquoi tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel? Parce que tu n'avais plus besoin de mener la vie que tu menais. Amen. Et ni moi, ni ton papa, ni ton pasteur, ni ton diable, ne voulaient pas te délivrer. Amen. Malgré tout ce que l'on peut faire, effectivement, il fallait quelqu'un qui puisse arriver à quoi déraciner. Amen. Parce que c'est pourquoi les catholiques, ils ont beau faire 40 jours de neuvaine de ce type-là, ils ne peuvent pas changer. Parce qu'ils sont catholiques. Les prières et les jeûnes ne vont pas vous changer. Il y a seulement qu'une seule personne qui peut vous changer. Amen. Quand vous l'avez reçu, il va vous changer. Amen. Et ça, ne vous occupez pas de ce que les hommes peuvent dire. Amen. Si vous avez la personne principale, alléluia, alors c'est terminé pour vous. Amen. Oui, monsieur, quand cette personne effectivement est en vous, c'est-à-dire Christ en vous, l'apôtre Paul a dit l'espérance de la gloire, amen, vous n'avez plus de soucis. Amen. Seigneur, comment je vais être saint? Je n'aime pas pouvoir me soucier, amen, puisque lui en moi, il va me sanctifier. Amen. Le plus important, c'est de l'avoir le vrai. Amen. Quand j'ai le vrai en moi, la sanctification va venir. Amen. Parce que s'il est venu en moi, il va me sanctifier. Amen. Il ne peut pas vivre en moi comme ça. Et s'il vient, effectivement, après la sanctification, il va me conduire au baptême du Saint-Esprit. C'est sûr et certain. Alors, la délivrance vient, effectivement, parce qu'une fois qu'il est rentré en moi, alors, effectivement, c'est pour ça, quand il est parlé vraiment de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'effectivement, mon frère et ma soeur, c'est que, vous savez, le corps, le vieil homme, on ne peut pas le changer. Le vieil homme, on ne peut pas le changer. Donc, vous pouvez tout faire, il restera toujours le vieil homme avec ses habitudes et ses études. Il faut, qu'est-ce qu'il faut, effectivement? Il faut l'enterrer, il faut l'abandonner. Amen. Vous êtes dépouillé, donc dépouillé du vieil homme. Si vous avez toujours le vieil homme avec vous, vous ne ferez pas de plus grand progrès. Il faut vraiment, c'est pourquoi, quand on parle des matins, c'est que c'est une démonstration de ce que la grâce de Dieu fait en toi. Je suis mort avec lui, donc je laisse le vieil homme dans la terre là. Et puis celui qui sort maintenant, c'est une nouvelle création. Donc tout est nouveau. C'est pourquoi on parle de nouveau cœur, effectivement, un esprit nouveau. Donc tout ça est nouveau. Satan n'a plus la main là-dessus parce que je ne suis pas venu par les canaux de mon père naturel, ma mère naturelle. Non, je suis venu par les canaux de Dieu. Amen. Donc tout ce qui est à moi est vivant. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Puis s'il dit, mais quiconque est né de Dieu, donc je suis né de Dieu, donc c'est divin. Alors ce qu'il dit effectivement que dans mon intérieur et ma façon de pouvoir penser maintenant, c'est différent. Amen. Par rapport au vieil homme.
C'est pourquoi il nous a dit que toute calomnie, tout ceci, donc, disparaît, vous effectivement. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est toujours les viandes qui viennent s'accrocher. Mm. Mais quand les viandes sont morts, tout est nouveau. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Donc, il n'est plus esclave. Il est libre, effectivement. Le monde n'a plus d'influence. Vous n'avez pas besoin de dire, mais frère, il ne faut pas tirer la cigarette. Vous n'avez pas besoin. Amen. Non. Parce que les goûts de la cigarette n'est plus de la personne. Amen. C'est lui qui le poussait à fumer, n'est plus là. Amen. Puisque la délivrance est venue, effectivement. Et il a chassé tout ce qui était, c'est pour ça qu'il a nettoyé effectivement donc la salle. Il nettoie tout, vérissage, tout effectivement, et c'est parti, et la maison reste vraiment aussi propre. Amen. Et qui occupe la maison, et c'est le maître de la maison. Amen. Et même il prend le contrôle. Alors il dit, mais celui qui est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Amen. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas douter. Amen. De la parole de Dieu. Amen. Pourquoi vous doutez de la parole? Pourquoi vous discutez de la parole de Dieu? Parce qu'en fait, vous n'avez pas encore fait l'expérience effectivement de la nouvelle naissance. C'est pas possible, mon frère, que quand on te dit, mais ça, c'est pas conforme aux Saintes Écritures, ou ma soeur, tu t'obstines à pouvoir y aller. C'est parce que tu ne crois pas. Le problème, c'est qu'on se fait docteur de soi-même. C'est ça les grands dangers. Mais quand le Saint-Esprit Dieu vient en toi, tu n'es plus docteur, tu es docteur. Amen. Amen. Seigneur, comme Pierre l'a dit, mais Seigneur, dis-nous toi-même, tu connais le cœur. Choisis qui tu veux. Fais-moi savoir. Et Dieu l'a fait savoir. Amen. Donc, ce qui importe pour un croyant, un fidèle, c'est quelle est la volonté de Dieu. Amen. Pour moi, en tant que croyant, je ne m'occupe même pas de ce que c'est que avoir une maison, avoir une voiture, avoir. Non, Seigneur, c'est mon âme d'abord. Amen. Parce que dehors ici, il y en a des gens qui sont au gouvernement, ils ont des grandes maisons, ils ont des biens de leur âme. Je ne peux pas comparer effectivement ma société avec le bien du monde, effectivement. Je peux ne pas avoir le bien, mais je suis riche en Christ. Amen. Combien de maisons Paul avait-il? Combien de camions Paul avait-il? Combien de biens Paul avait-il? Un seul manteau, mais riche en Christ. Amen. Donc c'est important pour nous de pouvoir réellement réaliser que Seigneur, c'est, tu dois savoir en réponse. Alors, qu'est-ce que toi tu attends de moi? Quelle est ta pensée à mon sujet? J'ai très durement mon corps, je vais savoir qu'est-ce que tu veux. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Non. Alors, mais il ne peut empêcher que il n'est pas quelqu'un qui discute. Le grand problème, c'est que vous discutez vous-même avec les Écritures. Moi, je pense que, et ceci et cela. Non, il n'y a pas besoin. On me dit que, bon, ça, c'est comme ça. Quand on dit, on lit bien, c'est comme ça. Même si la personne, effectivement, voulait effectivement me coincer. Mais quand je dis que c'est de Dieu, je crois ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Alors, si la personne a fait des mauvaises pensées, effectivement, mais pour ça, c'est son problème. Amen. Dieu va se charger de lui. Amen. Mais moi, je me conformerai à l'Écriture. Amen. Seigneur, tu l'as dit, eh bien, j'accepte ta parole à toi. Amen. Et ça me fasse mal, il n'y a pas de problème. Amen. Parce qu'effectivement, à quoi ça me sert ma propre vie à moi? Vraiment. Et ne sert à rien. Amen. Même si donc, j'ai encore 100 ans, à quoi ça me servirait si toi, tu n'es pas là? Amen. Comme les gens à l'extérieur, effectivement, ils vont chercher les médecins pour prolonger les jours. Pour... Frère, à quoi ça... Non, c'est pas frère, mais monsieur, à quoi ça sert? Qu'on te fasse vivre 200 ans dans le péché. Vraiment. Quel bonheur y a-t-il de vivre 500 ans, 600 ans dans le péché? Vraiment. Mais c'est un bonheur de vivre pour Dieu, pour l'éternité. Parce que là, tu es dans la paix. Oui, mon frère. Alléluia. Sur la terre, mon frère et ma soeur, c'est ce que vous ne prêtez pas attention. Sur la terre, il n'y a pas de plus grand bonheur que d'aimer Dieu. Amen. Il n'y a pas de plus grand bonheur que donner son âme pour le Seigneur. Amen. Tout ce que nous avons, ce sont des futilités. Que ce soit les enfants, ils vous abandonneront un jour. Amen. Que ce soit la femme, ils t'abandonneront un jour. Amen. Que ce soit le mari, ils t'abandonneront un jour. Amen. Tout est futile. Amen. Il n'y a qu'un seul qui existe, effectivement, Amen. C'est Christ. Amen. Quand tout le monde t'abandonnera, Amen. Jésus ne t'abandonnera pas. Amen. Jusque dans les cercueils. Monsieur, quand votre femme va mourir, il va partir seul. Hein? Monsieur va rester. Hein? Et puis il change de vie. Quand aussi le mari va mourir, la femme va rester, non? Change de vie, effectivement. Mais dans les cercueils, il ne va pas rentrer avec toi. Non. N'oubliez jamais ça. Même vos propres enfants, monsieur. Amen. Amen. Oui, monsieur. On est venu seul sur la terre. Amen. On ne parle pas avec eux. Amen.
Chacun de nous partira seul comme il est venu. Amen. À la base du jugement, tu ne vas pas avoir un bataillon en face de Seigneur, mais mes enfants vont me défendre. Personne. Amen. Toi seul. Amen. À la base du jugement, tu dois répondre. C'est pourquoi, que ce soit pour les mariés, les non-mariés, les ceci et cela, chacun de vous répond pour lui-même. Amen. Amen. Parce qu'à la base du jugement, vous ne serez pas deux, mais toi seul. Amen. Et je répète 150 ans de mariage, à la base du jugement, tu seras seul. Amen. Alléluia. Donc il faut que toi aussi, ta foi, soit dans la parole. Amen. Parce que le salut est une question individuelle. Amen. Ce que je veux, Seigneur, parce que, n'oubliez jamais cela, frère, c'est vrai, il arrivera un temps que nous devrons partir. Amen. Toutes ces choses que nous voyons effectivement sur la terre vont rester. Amen. Nous partons pour des choses vaines. Amen. On se crée des problèmes pour des choses inutiles. Ce dont nous avons besoin du Seigneur, c'est que ta parole à toi trouve une place dans ma vie. Amen. Même si les hommes m'oublient, même si les hommes m'abandonnent, même s'ils me critiquent, même si... mais Seigneur, moi ici, Amen. Où est-ce que je suis avec toi? Amen. Vous savez, le plus grand problème avec les gens, c'est toujours vouloir s'entourer à des gens. Des gens qui doivent être avec lui, je le sais. Donc, chacun de nous doit savoir que c'est une marche individuelle. Amen. Alléluia. D'abord, savoir que c'est une marche individuelle. Amen. Ne cherchez pas les associations des Bakongo, des Bayaga, des Bakongo et tout. Je ne sais pas moi quoi. S'il vous plaît, frères et sœurs, ne faites jamais cela. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Ne faites jamais ça. En Christ, il n'y a pas des Espagnols, des Italiens ou des Congolais. Alléluia. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de jaunes. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais la race noire ou jaune ou blanche. Non. C'est vous qui avez inventé les races. Oui. J'ai terminé un livre, je vais vous lancer, ce sera plus. C'est vous qui avez inventé ça. Dieu n'a pas inventé cela. Il n'y en a pas ici. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Combien d'hommes l'a-t-il fait? Je ne vais pas rentrer dedans. Mais frères, sœurs, oui. Tenez, Satan est entré avec la science et les gens ont été corrompus. Nous n'avons pas été. Mais alors, tous ces enfants ont venu de Noé. Noé dit là, ses enfants, non? Ils le voyaient comme. Ça fait bon, je ne vais pas rentrer dedans. Donc effectivement, frères, nous devons revenir, nous avons une grâce, c'est la parole de Dieu. Amen. Toujours revenir là. Amen. T'importe ce que les théologiens peuvent dire, ou les docteurs, je ne sais pas moi de quoi, peuvent dire, nous avons la lumière là. Amen. Nous revenons là. Amen. Dans ce que Dieu a dit, nous sommes concernés par ce que Dieu a dit, mes frères et sœurs. Vous voulez faire de Dieu du ciel, le Saint, un raciste? Vraiment. Mais il faut que vous soyez malade quelquefois. Vous prenez vos démons, vos choses immondes, effectivement, et vous allez dans la parole de Dieu, et vous dites que Dieu a dit. Où est-ce que Dieu a dit depuis le début? Il n'a pas dit. Frères et sœurs, nous devons vraiment. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être vraiment laissée entre les mains de Dieu. Pour que Dieu nous place les choses à sa juste place. Depuis qu'on est là. Oui, c'est vrai. Donc, si nous n'avions pas la Bible aujourd'hui, nous serons égarés. Nous serons même c'est pas la vérité. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous l'avons. On peut me dire que oui, un prophète, ou je ne sais pas moi, est venu, ou soit je ne sais pas moi, un prédicateur est venu. Il a dit. Moi, je dis pas de problème. Mais que disent les saintes Écritures? Amen. Parce que si c'est un homme envoyé de Dieu, c'est si c'est Dieu. Amen. Sur la forme écrite, il ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu aime. C'est pas vrai? Amen. Donc s'il dit, ainsi parle l'Éternel, je cours dans ma Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? On scrute les saintes écritures. Je dois trouver cela ici. Amen. Parce que Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, connaissait effectivement que cet homme-là prêchait effectivement de sa part, mais il devait dire ça dans la parole de Dieu. Amen. Quand on dit, oh, il n'y a pas de révélation qui soit écrite, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une révélation qu'on trouve dans les saintes écritures. Tu me dis, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Oh, c'est une révélation. Monsieur, comment veux-tu que moi, je puisse croire que c'est de Dieu quand je ne le vois pas écrit? C'est vrai, non? Il y a un fondement, nous devons être certains. Je reviens vite à ce qu'on dit.
Vous devez être certain, frères et sœurs, peu importe ce que les gens peuvent dire ou ce qu'ils diront, c'est pas. Nous devons être certains que ce que nous avons dans nos mains, c'est Dieu du ciel sous la forme écrite. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, Amen. C'est Dieu. Amen. On ne peut pas ajouter ni l'étranger, parce que c'est Amen. Dieu. Amen. Tout est parfait là-dedans. Amen. Vous avez une question, la réponse est là-dedans. Amen. Vous voulez savoir comment faire ceci, la réponse est là-dedans. Amen. Non, mon frère, ma soeur, si nous étions effectivement dans les églises, tout à fait, je ne sais pas moi comment on l'appelle dans les domaines, là nous serions un peu troublés. Mais frère, depuis que le Seigneur nous a ouvert les yeux, oh. il nous a montré l'absolu qu'il veille pas sur l'IFSE, mais sur sa parole. Amen. Amen. L'IFSE passera, mais la parole demeurera. Amen. Alors j'ai foi dans ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors j'ai dit, mais s'il a dit ça, il doit l'accomplir. Amen. Donc quand moi, en tant que... Je vais te couper. Quand moi, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, je l'ai cru en lui, et je suis né de lui, je n'ai fait une partie de là. Donc, tout ce qui va m'arriver comme question et problématique, puis je suis une partie de la parole, la réponse se trouvait où c'est? Dieu savait. C'est pourquoi il nous a ramenés ici. Pour qu'on ne soit pas troublé par qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va dire. Oui, parce que les églises disent, nous n'avons pas dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Soyez en paix. Amen. Soyez en paix. Et quand il dit la paix, ce qu'il dit dans ton âme, même si les gens sont troublés, toi ne sois pas troublé. Il dit, mais le monde ne le verra plus. Ah oui, que Dieu te bénisse, mon Christ. Le monde a les directions à gauche. Parce qu'ils ne savent plus très bien quelle orientation prendre. L'un vient et dit ceci, l'autre dit ceci, parce qu'il ne parle pas là. Mais il dit, mais le monde ne me verra plus. Quand vous ne voyez pas les bergers, les brebis, ils ne savent pas où aller. Celui qui vient que c'est fait passer pour berger, il va l'amener à gauche. Donc, il dit, non, c'est moi le berger. Ah non. À gauche et à droite, effectivement. Mais il dit, mais brebis à moi, entendront ma voix. Il dit que le monde ne va pas les voir, mais vous. Amen. Vous les verrez. C'est le sang. Et c'est certain, comment est-ce que, c'est ça qui est bon, mais comment est-ce que nous pouvons le voir? Mais il a dit d'abord la parole, il dit, mais mes brebis entendront ma voix. La première chose, il dit, Seigneur, il s'agit d'entendre la voix. Est-ce que d'abord, j'ai entendu cette voix? C'est sûr et certain que tu l'as entendu. C'est sûr. Parce que pour que tu deviennes chrétien, tu t'assois ici. Quelque part, tu entends. Amen. C'est pas quelqu'un qui t'a poussé. Parce que si c'est quelqu'un qui t'a poussé de venir ici, tu partiras un jour. Amen. Oui. Parce que c'est ce que vous voyez tout le temps, non? Dieu trie toujours. Il faut qu'il permette quelque chose, effectivement, pour. Hein, il a son vent là-bas. Amen. Et puis, il s'en va. Un glinton. Amen. Il secoue encore. Oh. N'oubliez jamais ça. Amen. Dans celui. Ça peut bouger, ça peut monter, ça peut descendre, c'est toujours le même. Tu ne t'accroches pas à un homme, non, tu t'accroches à Dieu. C'est là qu'on voit la frère et soeur, il faut que Dieu s'écoute. Parce que les parasites vont commencer à vous ronger un peu. Mais puisque Dieu ne veut pas que les parasites vous rongent, effectivement, il doit s'écouer. Bien sûr, monsieur. Le parasite doit commencer à pouvoir se dégager un peu pour que toi, tu puisses être dans bonne condition. Amen. Pourquoi? Pour servir ton Dieu. Amen. Puisque Dieu va te manifester toi. Amen. Amen. Bien sûr, monsieur. Amen. Dans la pureté de sa parole. Donc, nous devons comprendre que quand nous traversons... Le Seigneur, notre Dieu, fait des choses comme il dit dans le fait. Il dit, mais le monde ne me verra plus. Donc, si réellement encore le monde, une partie du monde est encore en toi, tu seras... cause de trouble dans le lieu où tu seras. Bien sûr. Puisque le monde est en toi, les passions, les ceci, les disputes, il y aura toujours là-dedans. Tu ne seras jamais une personne de paix. Amen. Et comme si un feu carbone qui te fait bouger, pour. Non. Et un homme de paix, une femme de paix, elle est paisible. Amen. Et elle a trouvé le repos, elle a trouvé la paix, mon frère. Et c'est où Dieu l'a positionné. Amen. C'est pourquoi n'oubliez jamais, frère et soeur, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits, quand Dieu t'a conduit, il t'a mené à un endroit, bénis le Seigneur. Amen. Amen. Dieu est saint. Bénis-le parce que
ça veut dire que Dieu t'a connu. Il a dit, mes brebis entendront ma voix. Amen. Oui, monsieur, tu vas entendre cette voix, tu dis, ah, c'est pas possible. Ce que j'entends, même en ayant la résistance à moi, c'est tellement si fort. Amen. Que je ne peux pas résister. Amen. Jean Bosco me disait, mais j'étais bien avec mes cheveux, ça ne me dérangeait pas vraiment, mais ça travaillait tellement dans les cœurs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un t'a parlé? Non, mais pasteur, je crois, Dieu me parle, je dois couper ces touffes de cheveux. J'ai dit, oh oui, monsieur. Amen. Je peux te confirmer que ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. Il y a cette puissance qui vient en toi, qui dit que cette touffe-là, les cheveux comme rock'n'roll, c'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il dit, oh, je commence à sentir mal, hein, donc je dois couper. Va Alléluia. Trouver quelqu'un pour raser tout ça. Alléluia. Je dis, je suis heureux parce que Dieu travaille. Amen. Dans le cœur, effectivement. Alors, il ne pourra jamais dire dans sa vie, oh, quand j'étais passé de l'Église, on m'obligeait de couper les cheveux parce qu'on dit les cheveux des hommes, on prêchait tout à l'heure, les cheveux. On n'a pas prêché ça ici. Amen. Quand Christ est présenté aux hommes, le résultat vers ça. Amen. C'est la vérité. Il pourra jamais dire, on m'avait dit non. Il dira, non, non, moi, j'ai écouté la parole, la parole a commencé à travailler, puis j'ai réalisé. Amen. C'est son témoignage. J'ai réalisé que le Seigneur m'a dit, mais tes cheveux sont, il faut les couper. Amen. Et puis quand j'ai posé la question au pasteur, parce que j'étais convaincu, j'ai dit, mais pasteur, mais je vais savoir si c'est vraiment Dieu. Il m'a dit, j'ai eu la même chose aussi. Amen. Quand j'étais dans le monde, quand j'étais ramené à Christ, j'avais encore les cheveux comme ça. L'ange du Seigneur m'a dit, quand tu seras levé, fais-toi couper les cheveux. Amen. Je lui ai dit, vous savez, parfois, on voit le témoignage pour les gens qui regardent, mais c'est comme si un jour comme ça, j'étais en train de rentrer. J'étais quelque part, c'est pas moi. Je parlais comme ça, puis j'étais tout seul, hein, ce témoignage. Quand j'étais à. Que Dieu le bénisse. Quand j'étais à Allemagne, on a passé un moment particulier dans l'Assemblée. Amen. C'est vrai, frère. C'est vrai. Il vient toujours, il descend toujours. Amen. C'est des cris, des pleurs, des reconnaissances que Dieu, il parle, il confirme. Amen. Et quand on a terminé, alors là, Becky, la fille de frère Bernard, quand, parce que d'abord, son papa me dit, quand j'ai annoncé à l'Assemblée que le frère Léonard va venir, Becky, il dit, youpi! Alléluia! Ah, il dit, ça c'est mon prédicateur. Amen. Elle a dit, ah donc, Becky, m'a dit, oh, il était tout content. Quand on a terminé, effectivement, on était donc assis. Elle est venue là, oh là là, elle m'a serré dans ses bras. Elle dit, assieds-toi. J'ai dit, je suis très content de te voir. Alors, elle me dit, pendant que nous parlions, effectivement, parce que frère, je crois qu'il y a un des frères qui parlait, ou qui avait posé une question, je répondais, puis, elle était tout à fait calme aussi, gentille, nous, qui regardait. Il dit, frère Léonard, tu sais, je vais te dire une chose. Moi, ici, que tu vois, je pensais que j'allais en enfer. J'avais quelque chose qui me perturbait, vraiment qui me tenait, j'étais vraiment lié à cela. Je ne savais pas comment m'en défaire. Pendant tout ce temps. Mais un jour, toi, frère, tu as commencé à. On était assis, tu as commencé à parler. Et tu t'es poussé à rendre témoignage de ce que tu as fait, effectivement, avec toi. Et un rapport, effectivement, avec. Les cheveux, ceci, cela, tu parlais effectivement. Et c'est là, quand tu parlais, que cette voix est venue, effectivement. Donc, j'ai entendu et j'ai vu, effectivement, j'ai compris que Dieu m'a délivré à ce moment-là. Amen. La délivrance a pris place pendant que tu étais en train de pouvoir rendre ton témoignage. Depuis ce jour-là, j'ai été délivré. L'enfer, je n'avais plus peur, effectivement. Et maintenant, je me sens que je suis une fille de Dieu. Amen. Je regardais et dis, oui, tu ne te réalisais pas. Mais c'est à ce jour-là, quand tu rendais ce témoignage, effectivement, moi, j'étais la personne qui était. C'était une délivrance. Et Dieu m'avait complètement délivré. Pour dire que, c'est vrai, les gens peuvent maîtriser, mais en fait, ceux qui sont de loin, Dieu permet qu'ils puissent entendre et qu'ils travaillent. C'est face, effectivement. Si. Alors, revenons vite. Mais comme l'Écriture le fait savoir, effectivement, il dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Les brebis entendront ma voix et ne laisseront pas ma voix. Et j'aime beaucoup cette Écriture que je me réfère tout le temps parce que c'est merveilleux. Et alors, il dit une chose, il dit, mais je les appelle tous par leur nom. Le Seigneur Jésus ne peut plus être un étranger. Amen.
Et toi, tu ne peux plus être un étranger pour le Seigneur. Frère, mon frère et ma soeur, il ne faut pas que tu sois religieux. Non, l'esprit de la religion ne peut pas être en toi. C'est l'esprit de Dieu parce que tu es né de Dieu. Il faut que tu sois rassuré et vraiment fermement sûr. Et en parlant de cela, cette vision effectivement qui revient, vous vous souvenez quand je vous ai dit, lorsque j'avais une préoccupation dans mon cœur, et le Seigneur en rapport avec ce que l'on fait pour les Seigneurs, pour les serfs, et pour le peuple de Dieu, effectivement, et voilà qu'il me montre que j'étais en train de pouvoir avancer, mais il y avait une foule qui me suivait. Je conduisais cette foule. Amen. Et maintenant, le problème, c'était que la question, c'était qu'ils doivent entrer. De l'autre côté, effectivement, être agréé. Vous vous souvenez? Oui. Il y avait une lettre qui avait été envoyée, qui avait des recommandations. Vous vous souvenez? Amen. Je vous l'ai dit. Ah, maintenant que quand il m'a mis à côté, et que je regardais maintenant cette foule que je conduisais, qui me suivait, je me suis mis là, puis je regardais. Quand je les ai regardés, j'ai dit, ce qui m'a frappé, c'était leur regard d'assurance. Amen. J'étais inquiet en moi. J'étais, Seigneur, est-ce qu'ils ont prêté attention? Est-ce qu'ils ont eu à pouvoir bien entendre, écouter et mettre en pratique ce qui a été donc apporté? Quand je regardais, effectivement, je n'ai jamais vu une telle assurance. C'est-à-dire qu'ils étaient tous, effectivement, presque habillés la même chose. Mais alors, s'il vous plaît, frère, dans un ordre... C'est pour ça, j'ai dit, Seigneur, si je dois rentrer à la maison, je suis reconnaissant à Dieu. Amen. Ils se sont tenus tous dans une ligne droite. Et là, maintenant, ils ont regardé. Et quand ils regardaient, effectivement, ils avaient un regard sincère, droit et ferme. Et pendant que je me prenais, je dis, Seigneur, est-ce qu'ils ont eu à pouvoir moi prêter attention? Le regard qu'ils sont posés sur moi, il dit, mes frères, sois sûr et certain. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Nous avons réellement aussi pris conscience. Et nous sommes vraiment dans la condition. Mais alors maintenant, là, maintenant, c'était de parler où ils devaient arriver s'ils étaient conformes. Alors, on le faisait entrer pour les agréer. Et on avance maintenant. Là, trompe la conversation, effectivement. Alors maintenant, il devait avancer. Mais je vous assure, frère, Dieu que je sers, mettez-moi. Ils étaient dans cette cadence ordonnée. Non, ça c'est une cadence. Ordonnée, frère, avec les pas. Et tous, c'était comme une seule. Et alors, avancer avec vraiment une assurance, une certitude qu'il dit, mais ici, nous avons prêté attention, nous avons veillé à tout, et nous sommes conformes. Quand ils sont arrivés, c'était comme en fait une sorte de podium où le roi était là avec les autorités, effectivement. Et quand ils sont arrivés, effectivement, mais tout le monde s'est levé avec des ovations. C'était un groupe extraordinaire. Et c'était merveilleux. Pour dire qu'effectivement, que cette assurance-là que je peux voir, j'ai dit, c'est une assurance que chacun doit avoir. Sûr et certain que le Seigneur me connaît. Amen. Et moi, je connais le Seigneur. Amen. Sans tu ne t'intitules pas. Amen. Je ne me suis pas accroché aux hommes, je me suis accroché à ce Jésus. Amen. Et c'est celui qui m'a été enseigné. Amen. Donc, c'est cette certitude, assurément, effectivement, que chacun de nous doit avoir en soi. Et ça, quand on est enraciné comme ceci, eh bien, on ne peut pas tanker à gauche ni à droite. On est fermement assis dans les choses de Dieu. Amen. Et alors, il dit, mais certainement que je les appelle par leur nom. Et quand je les fais sortir, j'avance devant et les brebis me suivent en face. Vous voyez, ce n'est pas en fait une sorte d'utopie, une sorte de mode. Imaginez, non, c'est une réalité. Il dit, mes brebis à moi me suivent. C'est pour ça qu'il faut toujours vous poser la question, frère. J'aime le prophète, William Branham. Il a prêché une prédication intitulée L'influence d'un autre. Amen. Lisez cette brochure. L'influence d'un autre. Qui est-ce qui vous influence? Regardez très bien. Un fils d'une fille de Dieu, il doit prendre. Il y aura beaucoup de gens qui viendront. Satan ne va pas vous laisser tranquille. Il va vous envoyer de ceci, de cela, oui. Soit par des coups de fil, par de ceci. Par... Donc vous serez toujours un peu. Pourquoi? Parce que, aussi longtemps que tu as pris une position dans la voie juste, amen. Dans le chemin, il va te faire sortir. Amen. Ah oui? Alors, maintenant, c'est toi qui dois être sûr et certain de ta position à toi. Amen. Par rapport à la parole de Dieu. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Amen. Alors, maintenant, regardez très bien. Il dit, mais je marche devant toi
Et elle me suit. Donc, pour le suivre, mon frère et ma soeur, il faut le voir. Pour le suivre, il faut le voir. Vous regardez, vous dites, alors frère, on ne comprend pas. Mais les problèmes avec vous, c'est quoi, mon frère? Pourquoi vous ne comprenez pas? Parce que dans la plupart du temps, vous vous regardez toujours naturellement. Ici, nous sommes là, nous sommes assis, nous sommes des hommes. Et en fait, nous ne sommes pas des hommes naturels, nous sommes spirituels. Donc, la dimension dans laquelle nous nous sommes appelés à pouvoir nous tenir, c'est pas naturel que quand on regarde, mais je vois ma soeur. Ma sœur Esther ici, je vois mon frère Jonas ici, je vois mon frère, comment il s'appelle là? Ah, oui, ah, ah, et comment il s'appelle encore? Mon frère Joseph Sandali, qui est de 2010. Donc, voyez, vous regardez bien. Donc, quand je regarde comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je vois la sœur Esther, je vois le frère Sandali, je vois le frère Jonas, en fait, c'est quoi? C'est naturel. Amen. Amen. Quand je regarde, effectivement, je vois quelqu'un de différent. C'est vrai, c'est sœur Esther, mais en fait, c'est une fille d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. Donc, je ne vois pas sœur Esther. Je vois une fille d'Abraham. Je ne vois pas frère Samuel. Je vois un fils d'Abraham. Je vois un fils d'Abraham. Il y a une différence, mon frère. Quand tu regardes comme ça, nous sommes dans une autre dimension. Donc, s'il est un fils d'Abraham, fille d'Abraham, effectivement, et moi, je le suis, alors, gloire à Dieu. Il y a un regard différent quand on pose là-dessus. Et c'est sur ce matin, si nous sommes là, effectivement, quand nous entendons, effectivement, nous sommes où, en fait? Nous sommes là assis, n'est-ce pas? Oui. Naturellement. Oui. Mais la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. C'est-à-dire que là, étant dans cet endroit, c'est pourquoi faire ça? Et pour les uns qui font un peu d'attention, vous réalisez qu'effectivement, en cet moment, quand la parole sort, je dis quand même, lorsque nous entendons la Sainte Écriture, c'est comme si nous avons été transportés en cet endroit. Amen. Quand on nous parle du Seigneur, c'est comme si nous étions dans les décors avec lui. Amen. Donc, on sort du naturel que nous sommes, et dans l'esprit, on est transporté dans ce. C'est-à-dire que nous entrons dans la parole. Amen. Si cela n'est pas, vous êtes sur la terre, effectivement, vous ne saisirez pas la révélation. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dimension, effectivement, où quand on écoute, effectivement, on n'a pas de pensée humaine, effectivement, on rentre dans la dimension spirituelle. Donc c'est spirituellement qu'on juge. Donc on rentre dans cette dimension, maintenant on reçoit. Ce qui veut dire que quand tu es dans cette dimension, lorsqu'on sort ici, tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu es une personne spéciale, une affaire spirituelle, effectivement, dans une dimension tout à fait spirituelle. Donc, ce que tu as reçu, effectivement, est spirituel, ça te nourrit. On ne va pas voir la soeur ou le frère qui sort en murmurant. Ou qui va sauter, effectivement, là-bas, en train de se plaindre. Ah, oh, moi, je ne suis pas bien, c'est pas sinon. J'étais dans sa présence. Amen. Amen. Donc, même si je n'étais pas bien, mais là où quand j'étais là, si, lorsqu'il me parlait, le monde n'existait plus pour moi. Amen. C'était comme Marie à tes pieds, effectivement. Amen. Mais rien n'existait pour Marie, seulement lui. Amen. Il était transporté, effectivement. Mon frère et ma soeur, nous devons être à cette dimension-là. Amen. Amen. Maintenant, quand on est à cette dimension-là, nous sommes dans un autre décor. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne voit plus ces bâtiments ici, on ne voit plus les corps. Parce que quelqu'un va dire, oh, leur prise là-bas ne fonctionne pas bien. Leur en plus, c'est sûr. Tu as vu, ils ont une barre au milieu, tu perds ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des pierres. Ce n'est qu'un petit endroit simplement. Mais ce qui est important, c'est celui qui est avec nous ici. Amen. Où est-ce que nous sommes? Amen. Donc il faut sortir de ces dimensions naturelles pour entrer notre dimension. C'est comme cela que la guérison prend place. Le jour où je parlais comme ça, un frère était venu. Il était tellement malade, effectivement, qu'il devait être opéré la semaine, le jour suivant. Mais il dit, frère, je n'ai pas de moyens pour me faire opérer. Je dis, écoutez, maintenant, assieds-toi. Comment ça? Je commençais simplement avec les Saintes Écritures. Le frère a suivi les rentrées de la dimension. Quand j'ai terminé, il est descendu, il m'a dit, frère, je suis tout à fait. Je ne veux pas imposer ma main, il priait pour lui, juste par le coup de la parole. Il a été transporté, il a pu voir que Jésus-Christ est capable. Alléluia. Et à même instant, il était guéri, sans même prier pour lui, mon frère. C'est pourquoi, quand la prédication est là, c'est le moment où vous devez vous accrocher davantage. Seigneur, je vais parler quelque chose, je veux entendre. Parce que quand je vais sortir ici, je vais être une autre personne. Amen. C'est sûr et certain, frère. Oui. Dieu le fera. Amen. Et
c'est un peu la même personne. Alors il est, je marche devant elle. Tu m'es prévu à moi. Elle me suit. Mais là, je me pose encore une question. Nous sommes en ces lieux. À cet moment, nous étions quelque part. N'est-ce pas vrai? Comment ça se fait que nous sommes sortis quelque part? Parce qu'il y a une écriture qui dit que j'ai entendu dire une fois qui disait sortez du milieu de mon peuple. Donc, quand même, nous sommes sortis. N'est-ce pas vrai? Mais si nous sommes sortis, c'est pour quand même suivre et marcher avec la personne. Ça veut dire que nous avons une marche spirituelle. Amen. Est-ce que vous le voyez? Amen. Sûr et certain. Sûr et certain. Il faut qu'on soit conscient. C'est pour ça que les erreurs que beaucoup ont commis, c'est qu'en sortant de l'élimination, on va reproduire ce qui était dans l'élimination. C'est comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, effectivement, ici. Vous voyez, des frères qui se lèvent, moi je vais faire, et puis je ne suis pas d'accord, je vais monter. Pas de problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et là, ils arrivent dans les assemblées, je te donne ça, je te donne ça. Alors, écoute, dans cette assemblée, il y avait quatre sœurs et deux frères. Plus le prédicateur lui-même, il s'est fait martyr, ça fait trois frères. Maintenant, dans cette même assemblée-là, il faut avoir des diacres. Et ils doivent avoir des diacres, oui monsieur, ils doivent avoir un diacre, ou deux diacres, puis ils doivent avoir effectivement aussi, ce qu'on appelle, je ne sais pas, administrateur, parce que ça se souvent dans les églises, administrateur. Même si, je me dis, mon Dieu, ce n'est pas possible. Bon, pourquoi? Parce que Branham, t'as un diacre, et selon l'ordre, il faut qu'il y ait des diacres, des administrateurs, de ceci et de cela, et pour vous montrer, c'est pour ça qu'on vous trompe, en fait. Pour montrer que nous croyons vraiment au message, nous devons être vraiment messagers, dans tout le monde est là. Mes frères, Branham, t'as un diacre, c'est pas là. Eux là-bas, ils étaient arrivés à un moment où ils avaient besoin de diacres. Besoin d'administrateurs. Pourquoi on avait des administrateurs? Moi, je n'ai pas quand même pas demandé l'administrateur ici, quand même. Parce que moi, je n'ai pas acheté le bâtiment. C'est vrai. Bien sûr. Ce que Dieu m'a donné maintenant, c'est quand même plus suffisant. Évidemment, je dois encore avoir. Amen. Amen. Bon, bref. Alors, on va, on est à trois. Et puis, bon, ben, il faut qu'on fasse qu'il y ait un diacre. Donc, on doit choisir pour avoir un diacre. Mais ce n'est pas nécessaire. Quand une assemblée dit, c'est Dieu, effectivement, d'une certaine manière, qui va maintenant pousser à voir, mais il y a un besoin, le besoin de se manifester. Comment est-ce que les diacres ont commencé à pouvoir être, en fait, dans les églises? Ce n'est pas que quand l'église a commencé, dit, bon, maintenant, voilà, l'apôtre Pierre dit, voilà, il vous faut des diacres dans toutes les églises, et donc, bon, jamais. Les besoins sont venus parce qu'il y avait une circonstance. Amen. Chaque expérience nous pousse à pouvoir savoir comment dire. Ce que je vous dis l'autre fois, non? Quand nous passons par des épreuves ici au milieu de nous, on apprend. Amen. Donc, pour ne plus revenir à ces choses-là comme des enfants, on apprend. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de diacre, donc on n'a même pas pensé. Mais c'est quand il est pour les églises, effectivement, pour le partage, effectivement, ça fait des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez bien, dans Actes, je pense. Je pense que c'est ça. C'est juste une assertion, actuellement. Chapitre 6. Verset 1. En ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous voyez? Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous avez vu ça? Amen. Ça, c'est chapitre 6, non? Amen. Dans les chapitres 2, il n'y avait pas de problème. Amen. Vous avez remarqué? Amen. On n'avait pas besoin de dire le chapitre 2. Il venait, il me disait en commun, il donnait effectivement. Il n'y avait pas de murmure. Non, on n'avait pas besoin de dire, bon, on va avoir un diable. Pourquoi? Non. Mais là, maintenant, vous savez ce que vous suivez? Amen. Là, maintenant, quand le problème s'est posé, alors un besoin s'est présenté. Verset 3:2, il dit, le 12 convoquèrent maintenant la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Donc là, maintenant, le besoin s'est manifesté. Amen. Amen. Ok. C'est pour que nous comprenions que dans les choses de Dieu, il faut toujours laisser. En fait, il y a une croissance qui se fait. Et quand on avance, effectivement, et progressivement, oh oui, je vais encore vous lire une écriture, mais je n'ai pas le temps maintenant, de voir comment, même la manière dont Dieu lâchait avec Moïse, et comment le Seigneur a montré, effectivement. Regardez, c'est quand même étonnant, je vais quand même vous lire. Regardez une chose qui est vraiment très importante. Moïse, quand il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, cet homme s'est donné beaucoup pour ce peuple. Ah oui, oui, oui. Il était vraiment de tout son cœur là-dedans. Il y était vraiment de tout. Enfin, il était toujours là. Mais regardez dans le livre d'Exode. Là, je vous dis quelque chose. Exode. Lisons Exode au chapitre 18. Je vais lire un peu beaucoup. Je vais vous peut-être laisser partir. Je vais vous dire encore des choses dans la prochaine. Exode 18, verset 1 dit, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël de l'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été envoyée, et prit aussi les deux fils de Séphora. L'un s'est nommé Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger, et l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint donc au désert où il campait, à la montagne de Dieu, et il fit dire à Moïse, moi ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna, et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro s'est réjoui de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, vous suivez ? Amen. Vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ? Il ne s'en plaignait pas, Moïse. Mais il le faisait. Mais maintenant, écoutez bien, c'est son beau-père qui se tient là, qui lui dit cela. Il dit maintenant, verset 15 dit, Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épouiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Créez en Dieu des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de... Voyez-vous, donc des hommes capables, des hommes fidèles, des hommes dont tu peux avoir confiance, que même si tu fermes les yeux, tu n'auras pas un couteau dans le dos après. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Aujourd'hui, on va vous chanter, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Demain, je vous hais, je vous hais, je vous hais, je vous hais, je vous hais.
Et puis tous ceux que vous connaissez, on va commencer à les corrompre. Tu connais? Moi, j'ai dit, mais... Amen. Et puis, moi, je ne vais plus avec lui. Et puis, tu vois que tous ceux que tu as avec lui, moi, ça s'est refroidi. Pourquoi? Parce que les oreilles n'ont fait plus. Amen, alléluia. Les vénins, ça passe. C'est toujours comme ça. Amen. Avec Moïse, c'était aussi. Regardez bien. Et puis, mais bon, c'est ça ma politique. Il dit, mais choisis donc parmi ce peuple qui juge le peuple en tout temps, qui porte devant toi toutes les affaires importantes et qui prononce même sur les petites causes. Allège ta charge et qui la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne les ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse a dit, en tout cas, ne me parle pas ainsi mon beau-père. Non, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Cet homme était sage. Il savait que c'était Dieu qui parlait par la bouche de Jéthro. Voyez-vous, c'est pour dire qu'effectivement, que Dieu a une façon. On pouvait attendre effectivement que comme Dieu lui apparaissait, l'ange apparaissait, que c'est mal l'ange qui va lui parler. Un homme de Dieu que Dieu choisit, Dieu l'utilise d'une manière particulière. Il peut aussi lui parler aussi simplement par quelqu'un. Amen. Il est toujours attentif, effectivement. Et c'est ce qui s'est passé avec Jéthro. C'est-à-dire que Dieu a utilisé un homme, Jéthro a reconnu. Que ça, c'est pas mon beau-père, c'est bien Dieu qui me parle que là, maintenant, je dois me tenir maintenant là. Et le peuple maintenant là, qu'il y ait aussi des autres qui veulent. Quand il y a des petites situations, cela peut bénir le peuple. Quand ça demande effectivement qu'il n'arrive pas à pouvoir saisir, maintenant il peut. Alors à ce moment-là, la chose, ça c'est ce que Dieu a eu à pouvoir réellement. C'est pour dire que le conseil que Jéthro lui a donné, c'était un conseil que Dieu voulait que Moïse entende à propos. Quand il est sous les îles, on n'a pas dit ça, cela, mais c'est à ce moment-là, parce qu'il dit, mais voilà ce qu'on voit, maintenant, tu as besoin. Le besoin se fait sentir à ce moment-là. Hein? C'est pourquoi nous prions aujourd'hui comme Dieu, parce que nous l'avons entendu, il faut être un saint écriture, mais qui sont donc ces hommes qu'on peut penser qui sont auxquels on peut faire confiance. On peut dire, voici, j'ai confiance que même si je comprends maintenant vous dire, voilà pourquoi elle a fait si bien. Parce que il servait Dieu. Mais ceux qui pouvaient faire confiance autour de lui, ce sont ceux qui pouvaient lui créer encore davantage. Alléluia, oui. Satan, vous fallait l'utiliser. Et ceci. Alors qu'il ne dit, il pense pas, mais il dit qu'il pense comme ça. Il fait comme ça. Et puis, il se passe. Et puis bon. Surtout quand on est à donner une responsabilité, le peuple commence à avoir confiance. C'est à ce moment-là aussi que maintenant, c'est comme vous pouvez d'attendre. Donc effectivement, on vous donne une tâche, effectivement, on les voit, vous savez, non, vous voulez maintenant que vous puissiez mettre comme des vues comme des responsables du peuple. On ne vous a pas établi comme ça. Vous avez une tâche, assumez la tâche. Assumez la tâche. En tout cas, moi, c'est pour ça, avoir le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, c'est une grâce. Amen. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Mais quand vous avez quelqu'un dont vous regardez parfois, comme je dis toujours, j'ai parlé à une soeur, je pense, limite. La tristesse, je dis, les gens ne comprennent pas. Quand Dieu vous donne un don, que vous avez la grâce de pouvoir vous asseoir avec quelqu'un, vous parler avec la personne, il y a certains moments comme ça, la personne ne se rend pas compte, mais vous réalisez que dans cette dimension, que cette personne, elle est fausse, et ce qu'elle vous dit, elle a un double cœur, vous dites absolument rien, mais vous souffrez. Amen. Vous souffrez. La personne pense qu'elle peut vous mentir avec tout ce que vous dites. Elle pense effectivement, mais Dieu n'est pas aveugle, Dieu ne dort pas. Amen. Amen. Si je vous racontais que Dieu m'a transporté jusque dans la maison de quelqu'un, pas très longtemps que cela. Dans la maison de cette personne, il m'a montré, mais voici l'esprit qui a l'être ici, voici ce qu'on pense de toi, voici comment. Même à l'extérieur, j'ai plutôt frère. Ça date pas de longtemps, frère. Je ne vous dis pas beaucoup. Je pense que ces frères, je n'exagère rien, frère. Amen. Nous servons un Dieu qui voit. Amen. 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 Ah, oui. Voilà comment ils font, voilà comment ils parlent, voilà, ici dans cette dimension. Donc dans la pièce, effectivement, je suis rentré. Donc là, il m'a montré toutes les pièces et même le genre comment il s'éteignait, effectivement. Et puis il me pousse encore à l'extérieur, effectivement. Et je pouvais entendre, mais voilà l'esprit qu'il y a. Voilà. Vous pensez que ici on joue les choses de Dieu. J'ai dit, vous allez payer, frère. Vous payerez un jour. Vous êtes quand même conscient, frère et soeur, que Dieu est dans cet endroit. Même ceux qui sont contre, même ceux qui parlent du mal, ils savent une chose. Et ici, Dieu travaille. Amen. Alors vous,
Vous perdez votre temps à combattre un homme. J'ai toujours eu à pouvoir dire, je suis un homme, je peux manquer, je peux pécher. Oui. Mais il n'y a aucun homme sur la terre qui peut me mettre la part. Amen. Oui, mon frère, je l'ai dit parce que je sais. Jusqu'au jour où je rentrerai à la maison. Vous pouvez m'abandonner, même si seul, je serai chrétien. Amen. Amen. Tu dis, le frère et soeur devaient comprendre que quand Dieu travaille avec quelqu'un, ne combattons pas. Amen. Ensemble, la main dans la main, et allons de l'avant. Tous n'ont pas la même connaissance. Amen. Quand Dieu choisit un homme, il donne un ministère, il y a une connaissance qui donne aussi pour aider les autres. Amen. Donc il faut qu'on puisse reconnaître que. Je vais donner l'exemple avec ma sœur Bélie. Ma sœur Bélie, la cuisinière experte. Amen. Toutes les sœurs sont expertes. Ne pensez pas mal, monsieur. Amen. Mais je donne l'exemple parce qu'elle a étudié. Amen. Et elle est cuisinière. Amen. Et c'est comment elle a été à l'école pour ça. Vous aussi, vous savez bien cuisiner. Amen. Mais elle sait comment prendre l'ingrédient, faire la mixture. Alors, vous voulez apprendre comment faire. Sœur Bélie, alléluia, c'est ta sœur. Si Dieu a permis qu'à l'école, c'est pour toi. Amen. Sœur Bélie vient de ton steak là. Ah, ah oui. Bon, au million, mais, je ne sais rien, mais je donne un exemple du steak. Parce que, ton steak là, quand tu l'as fait là, comment tu. Qu'est-ce que tu as tapé avec le marteau? Ou bien tu as passé le rouleau? C'est normal que tu te poses la question. Parce que dire, oh non, je n'ai pas demandé, vous allez dire, cette femme est bien demande. Non, je dis non. Sœur Bélie, je viens chez toi parce que je sais que tu connais. Amen. Parce que si Bélie n'a pas été à l'école, elle n'aurait pas su savoir. Amen. Donc tu as étudié aussi pour moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et puis c'est ma sœur. Amen. Donc elle a étudié, moi je n'ai pas eu le temps d'aller parce que j'avais autre chose à faire. Mais c'est comme la couture, vous avez un professeur. Amen. Donc, je ne me gêne pas de le dire, mais ma bien-aimée soeur mariée, tu, je ne sais pas comment faire le double bord. Je vais le faire pour mon mari. Eh ben, professeur, montre-moi. Et là, faire le tirer, professeur, pour cela. Pour moi aussi. Alors, je ne veux pas dire, oh, je vais faire comme la soeur mariée pour montrer aussi. Non. Je n'ai pas de compétences comme soeur mariée. Et là, ces compétences, c'est pour moi. Alors, viens maintenant, puisque je ne sais pas me faire le double bord pour mon mari. Ah ben oui, il va le faire. Amen. Et les professeurs, ils peuvent nous aider pour les bonnes voies. Mais mon frère, si moi j'ai un problème de bouton, je trouve ma soeur Bélie qui vient me dire bonjour au bureau. Bon, je n'ai pas resté torse nu quand même. Hein. Donc mais c'est vrai, frère, il faut quand même qu'on dépasse cette dimension. J'ai dit, soeur, j'étais là, mais un bouton a sauté, tu peux m'aider. Mais elle m'aidera pour mettre des boutons. Oui. C'est normal. Amen. Donc, lui, mon frère, il ne sait pas faire le double bord. Sa soeur peut faire le double bord. Pourquoi ne pas que son patron à sa soeur? Alléluia. Amen. Amen. Tu vas refuser? Non. Ah ben oui. C'est mon frère, je fais son double bord. Il dit, je le passe même. Amen. Mais oui, dans son travail à l'époque, il faisait pour tous les hommes qui venaient. Non. Amen. Pourquoi ne pas faire pour son frère? Parce que, ah non, il va faire pour frère. Mais non, c'est son frère. Amen. Alors, Sœur Bélie, prends le pantalon, je donne mon pantalon à ma sœur, fais-moi double bord. Et puis tu me donnes mon mari, voici double bord. Ah, ma femme, elle dit, mais quand même, ma sœur Bélie. Frère et sœur, on doit être comme ça. C'est ça, être en Christ. C'est ça, parce que si tout était œil, vous serez les doigts. Chacun de nous a. La main a besoin, l'œil a besoin de cette main. Voyez-vous. Amen. Donc, chacun de nous doit arriver à pouvoir savoir sa place pour aussi être utile à tout un chacun. C'est terminé. Alors, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Tous ceux qui sont dans le monde, mon frère et ma soeur, courent après des choses que tu m'as dit. T'es néant! Quand vous dites que Christ est ici, vous ne faites pas quoi? Il n'y en a pas. Mais Seigneur, comment on va faire? Parce qu'on nous dit qu'il est là, mais mon papa dit, ne courez pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là où se trouvera le corps. Amen. Alléluia. Amen. Là s'assembleront les seigneurs. Donc l'église sans l'odeur de la viande fraîche, mon frère. Amen. Tu as en toi effectivement la chose que Dieu a placée. Quand c'est Christ qui est quelque part, tu iras. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Quelle est donc cette attraction sur la terre? Amen. Il y a une attraction. Pourquoi? Parce que ce qui est là, ça te concerne. Amen.
Sinon, pourquoi tu t'es réveillé directement, tu commences à t'habiller rapidement? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qu'il y a sinon? Tu étais bien, tu es ronflé tout d'un coup. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu dois partir. Partir où? Au temps. Mais comment ça se fait? Il y a une attraction. Simon, tu es un aigle, mon frère. Et toi, tu es un aigle, mon frère. Et l'aigle n'est pas comme un vautour qui dit je vais trouver le Saint-Esprit. Non, il faut le tige au-dessus. Il regarde tellement si bien. Ses yeux voient bien, mon frère. Il n'a pas un regard flou, il voit très bien. Alléluia. Que Dieu nous accorde. Amen. Le monde ne verra plus. Mais vous, vous verrez. C'est pourquoi il dit oh, réveille-toi et secoue-toi. Mets-toi sur ton séant. Amen. Fille des Sion. Amen. Ah oui. Je termine. Qu'est-ce qu'il dit? Ah. Ésaïe 52, nous terminerons le côté de la poudre. Ésaïe 52. Verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Amen. Amen. Vous devez savoir que le Seigneur tient beaucoup à son nom. Amen. Il a dit, je ne peux pas donner ma gloire à quelqu'un d'autre. Amen. Mon nom est saint. Amen. C'est ce nom-là auquel il tient parce que le nom identifie la personne. Amen. Et vous pouvez voir effectivement que tout au long des âges, comme nous l'avons pu le voir, tout ce que le diable fait et a toujours fait, c'était que ce nom ne soit pas connu. Mmh. C'est pourquoi vous pouvez regarder, comme je l'ai toujours dit, les gens ne comprennent pas. J'ai toujours eu un point dit que les branhamistes ne pourront jamais aller dans l'enfer. C'est la vérité. Amen. Je le répète, tu dis les branhamistes. Les branhamistes ne pourront même pas expérimenter le changement. Parce que les branhamistes sont vraiment comme les brahmistes qui sont des indiens. Ils sont aussi comme les catholiques et tout cela. D'une manière ou d'une autre, leur foi est basée dans un nom. Parce qu'aujourd'hui, ils vont jusqu'à se faire baptiser au nom de Branham. Porter des effigies de Branham partout. Et pourtant, moi-même, je crois me disais de William Branham. Bien sûr, je dis toujours, je dis, j'aime ce précieux frère parce qu'il est un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Les branhamistes, c'est du diable en fait. C'est la sémence du malin. Ils ont remplacé Branham. Ils ont pris le nom de Jésus, ils ont mis de côté, ils ont remplacé le nom de Branham. Je sais que parmi ces gens-là, effectivement, ils me détestent, ils sont. C'est pour ça quand je parle de ça. La plupart des. On n'entend plus des amens. Il est froid. Ceux qui étaient avec lui disent oh, tu parles comme ça au peuple de Dieu parce que c'est comme si. Parce que comment tu fais diminuer des prophètes. Je voudrais bien diminuer davantage le prophète. Je veux bien qu'il diminue davantage. Et je veux qu'il diminue davantage et que mon Jésus avance. Et tout mon cœur, c'est cela que je veux. Parce que sa vie lui-même aussi n'a jamais voulu qu'il soit bien en place de Dieu. Amen. Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue, que lui croisse. Mais eux, ils veulent que je lève le prophète et que mon Jésus diminue. Mais William Branham ne peut pas me sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui m'a aimé, il n'y a qu'un seul qui m'a sauvé, qu'un seul qui prend soin de moi jusqu'aujourd'hui. Quand tous les branhamistes me pardonnent, me même me détestent, Jésus-Christ meurt. Amen. C'est sûr et certain. Les branhamistes vous détesteront le jour où vous aimerez Christ. Amen.
Sur cette âme. Ils vont vous aimer quand vous êtes dans le même rythme que. Branham a dit, frère Branham, frère ceci, frère ça. On doit présenter William Branham. J'ai dit, frère, ne perdez pas votre temps, allez présenter les prophètes. Ils n'étaient écrits nulle part. Allez présenter les prophètes au monde. Jamais. Je ne suis pas censé. Vous n'êtes pas appelé à présenter les prophètes. Il faut que vous soyez possédé, frère, pour arriver à pouvoir faire une telle chose. Parce que nous sommes appelés à pouvoir prêcher Christ. Amen. Amen. Présenter Christ lui-même qui est l'auteur de la parole. Amen. Maintenant, on peut dire, vas-y, Dieu a des tels serviteurs. Amen. Mais d'abord, lui. Amen. Parce que le plus important, ce n'est pas le prophète de là. Non, monsieur. Non, monsieur. Le plus important, ce n'est pas le prophète de l'âge. Le plus important, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que celui qui prêche la parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. Celui qui révèle la parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, il nous fallait le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a aussi des vases. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, de quelle utilité? Moi, je ne serais pas. Si aujourd'hui, vous m'aimez, c'est à cause de la parole. Amen. C'est à cause du matériel du Saint-Esprit. Amen. Mais si maintenant cet esprit n'est pas là, si la parole n'est pas là, quel amour allez-vous avoir pour moi? Donc vous voyez qu'en fait, que le plus important, ce n'est pas William Branham. Si ce n'était pas Christ, on n'aurait jamais connu William Branham. N'est-ce pas vrai? Alors, que le prophète Branham descende. Amen. Plus bas, plus bas, plus bas. Amen. Mais Christ monte plus haut. Amen. C'est vrai, parce que, Amen. Frère, moi, on ne m'a pas dit que je devais être à la ressemblance de William Branham. Non, monsieur, c'est à la ressemblance de Christ. Amen. Donc, je dois connaître celui que je dois ressembler. Amen. Donc, c'est de lui dont je dois parler. C'est de ce souffrant que je dois faire part, effectivement. Sa résurrection, ce qui est nécessaire. C'est pourquoi le prédicateur qui ne prêche pas la parole doit s'asseoir. Amen. Les bananistes n'ont pas la parole de Dieu, ils doivent s'asseoir. La Bible dit qui sont. Le verset suivant, c'est pourquoi, verset 6 dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle. Amen. Mais voici, Amen. Pas Branham, pas l'IFSC, mais c'est moi. Amen. Donc Amen. Toi, tu dois voir Christ parler. Amen. 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 Les autres courent après les hommes. Mais toi, tu cherches où Christ Amen. Parle. Amen. Amen. Là où son nom est évoqué, il y est. Amen. 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 Là où deux ou trois sont assemblés, au nom de l'IFSC, au nom de Branham, non. En mon nom, Amen. Je suis au milieu d'eux. S'il est devenu nous, il doit parler. Amen. 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 Oh oui, mon frère et ma soeur, et mes frères et soeurs, nous sommes entrés dans une phase particulière. Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu en soi. Amen. Nous continuons, vous terminez. Oui. C'est moi qui vais dire, mais voici. Et puis il continue, mais qui sont beaux sur les montagnes? Alléluia. Le pied de celui qui apporte. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment croiront-ils? Enseigner de ne pas entendre parler. Amen. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas? Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu envoie. Il donne les paroles. Amen. Il ne vient pas l'homme, il ne vient pas de lui-même, il vient dire ainsi par l'Éternel. Donc il vient avec la parole de Dieu Amen. Pour glorifier qui l'homme, non. Pour glorifier celui qui l'envoie. Amen. Amen. Oui, messieurs. Oui, mesdames. Il a dit, il s'est dit, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, mais voici. N'est-ce pas vrai? Amen. Il parle bien de la finition de son peuple, pas n'importe qui. Son peuple. Maintenant, il dit, il saura que c'est moi qui parle, n'est-ce pas? Comme il dit ici, c'est moi qui parle, et puis il dit, mais voici. N'est-ce pas vrai? Amen. Parce que dans ce temps, quand même, ce que nous voulons, quand même, c'est savoir que nous aussi, nous sommes dans la marche avec Dieu, n'est-ce pas vrai? Bien sûr que c'est cela que tu dis. Alors Seigneur, nous voulons vraiment comprendre maintenant parce que tu dis que ils sauront que c'est moi qui parle
Et dira, mais voici, il dira, mais voici, celui que c'est Jésus qui est celui-même, il parle. N'est-ce pas, moi, je vais te le dire. Il a dit qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'est-ce pas vrai? Amen. Et chaque véritable fils et fille de Dieu doit vraiment entendre sa voix. Amen. Un fils de Dieu et une fille de Dieu ne pourra jamais être un fanatique. Amen. 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 Non, messieurs. Quand tu es né de Dieu, tu reçois le caractère de Dieu. Amen. La douceur. Amen. Même dans les temps les plus troubles, effectivement, tu restes calme. Amen. 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 Parce que la tempête va s'arrêter. Amen. Le peuple de Dieu n'est pas troublé. Alléluia. Le peuple de Dieu est dans le calme. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en celui qui le conduit. Amen. Le monde est dans le trouble parce qu'il ne voit pas. Amen. Mais toi, tu as de la paix. Amen. Parce que tu vois celui qui te parle. Tu vois celui qui te conduit. Amen. Je vais vous lire une écriture et puis allons terminer. Dans le livre des Actes. Au chapitre 26. Puis nous terminerons par là. Nous lirons et nous prions ensemble. Acte 26. Lisons à partir du verset 4. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'il s'est passé à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps s'ils veulent déclarer que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on le mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vous connaissez celui qui parle? Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de résumer contre les aiguillons. Je répondis: mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. Amen. Et pourtant, il suivait des gens, non? C'était des hommes, comme toi, ma soeur, comme toi, mon frère. Donc, quand ils vous regardaient, ils vous méprisaient, mais il entend, il va dire: mais je suis Jésus que tu persécutes. Il n'était pas monté au ciel avec un voile, mais c'était sur les hommes qui frappaient. Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Donc, ces hommes-là, c'était lui. Amen. Nous continuons, nous continuons. Regardez. C'est pourquoi vous devez être conscients, frères et sœurs, de ce que vous êtes, ce que Dieu fait quand vous entendez la parole de Dieu. Amen. Les hommes vous haïront, ils vous persécuteront. En fait, ce n'est pas vous qu'on est. C'est celui qui est en vous. Amen. Nous continuons. Il dit, verset 7, il dit: mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Voyez, frère. Un apôtre doit vraiment voir le Seigneur. Amen. Un homme, c'est-à-dire avoir un ministère qui est dans le corps de Christ, effectivement, il doit avoir une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur doit lui avoir apparu, lui avoir parlé, et lui avoir dit maintenant ce qu'il doit faire. Amen. On ne se dit pas, je suis apôtre, je ne suis pas prédicateur, je suis pasteur. Non, c'est un appel de Dieu. Amen. C'est un ministère que Dieu vous donne. Amen. C'est comme cela que vous serez bénéfique pour le peuple de Dieu. Oui. Un homme que Dieu a appelé ainsi, Dieu les tiendra. Amen.
Parce qu'il doit servir ses dieux pour le but pour lequel Dieu l'a appelé. Amen. Donc c'est aussi la même chose que toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur. Amen. Si Dieu t'a appelé en tant que fils et fille de Dieu, Dieu doit travailler avec toi. Amen. T'es sûr et certain? Alors nous continuons. Mais lève-toi, tu te fais l'épée quand je te suis apparu pour t'établir ministre de tes témoins des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont donc saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire périr. Maintenant, prêtez attention à verset 28. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Est-ce que vous l'entendez dire toujours, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit? Non. Il prêchait la parole de Dieu. Amen. Et en fait, il était aussi dans ce que Moïse avait déclaré. Amen. Parce qu'il avait le même esprit. Amen. Maintenant, regardez le verset 23. J'ai lu le verset 22, il dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Savoir quoi? Que le Christ souffrirait et que ressuscité, quoi? Il ferait quoi? Où c'est? Vous avez vu Christ aller aux nations prêcher quand il était à Jérusalem? Non. Mais ici, on nous dit savoir que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Donc, ce n'était pas Paul, c'était Jésus-Christ lui-même qui continuait à pouvoir prêcher. Et le peuple, les élus, quand ils regardaient Paul, ils ne voyaient pas Paul, ils voyaient Jésus-Christ. Quand ils entendaient Paul, ils savaient distinguer la voix de Paul avec la voix de Christ. Quand Paul parlait, effectivement, ils entendaient vraiment Christ leur parler. Pourquoi? Parce que ici, on dit bien que ressuscité le premier entre les morts, il annonçait la lumière au peuple et aux nations. Mais c'est Paul qui est parti aux nations. Donc, Jésus-Christ était bien vivant, mais vivant dans l'homme. Les élus, le genre du monde, voyez-vous, je vais terminer par la fin. Ici, on voit très bien comment les pharisiens, c'était des croyants de Moïse. Ils persécutaient qui? Paul, non? Mais là, on apprend quoi? Mais Jésus qui c'était dans Paul. Amen. Donc les élus, quand ils voyaient Paul, ils ne persécutaient pas Paul. Ils croyaient dans ce que Paul disait. Et ils avaient Paul comme Christ lui-même. Et la voix que Paul faisait retentir, effectivement, ils réalisaient que ça, c'est le Seigneur. Il le parle. Donc ce n'était pas qu'ils étaient, tu dois croire en Paul. Non, monsieur. Ils entendaient et en l'intérieur, quelque chose disait, mais ça, c'est Dieu qui parle. Amen. L'influence ne venait pas de l'homme. Non. Comme aujourd'hui, si vous ne croyez pas au pape, vous n'irez pas au ciel. Si vous ne croyez pas, si vous n'êtes pas. Frères et sœurs, ça, ce n'est pas de la Bible. Amen. Non, la conviction. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais quand on fait comme ça, on met le peuple dans la peur. Un peuple qui croit dans la peur, il n'ira jamais plus loin. Amen. Il va finir par devenir fanatique. C'est fini, on l'emprisonne. Mais un peuple qui est libre, mon frère, Amen. Et qui croit effectivement parce qu'il est convaincu par le Saint-Esprit, Amen. C'est un peuple qui est béni. Amen. Chacun de nous, maintenant, écoutez, quand on entend comme le Saint-Esprit le voit, effectivement, dit Acte 13, il y avait les Juifs, effectivement, qui croyaient en Dieu. Mais quand Paul et Barnabas prêchaient, effectivement, et Dieu confirmait, le même Juif, rempli de jalousie, ont commencé à insulter. Paul et Barnabas. Et pourtant, c'était Christ, effectivement, qui prêchait l'évangile. Et maintenant, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, mais puisque vous vous chez vous-même, elle dit, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous tournons vers les païens. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle
Quand ils ont entendu cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru, en fait. Amen. Pourquoi? Pour les uns, c'est du ténèbre, une voyant. Pour les autres, effectivement, c'est la lumière. Quoi? Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc, il n'a pas changé. Il est assis là-bas, le corps est là-bas, mais son esprit est là. Amen. Effectivement, sur la terre, en train de pouvoir agir. Maintenant, le problème, frère Léonard, on le connaît. Mais le problème, est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, tu l'entends, est-ce que tu le vois? Vous me verrez, mais le monde ne me verra plus. Est-ce que toi, tu le vois? Est-ce que toi, tu l'entends? Parce que c'est la question que tu dois te poser. Parce que, frère, chacun de nous tous ici, parce qu'on a un matin tout à l'heure, chacun de nous tous ici, il se dit toujours, si j'étais au temps où le Seigneur Jésus-Christ était là, je serais comme Marthe. Comme Marie, je les suivrai, je serai là pour les servir, je respecterai, j'écouterai. Ah, quand la parole est apportée, je disais, Seigneur, même à tes pieds, je me coucherai. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Si j'étais à cette époque-là. Mais là, on vient d'entendre effectivement qu'il a dit que vous me verrez. Mais le monde ne me verra plus. Mais si vous le voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? C'est là qu'on voit effectivement s'il n'y a pas du monde en nous. Parce que si le monde est à nous, c'est là la confusion qui s'élève. C'est là le combat, mon frère. Mais quand le monde n'est pas là, souvenez-vous, la dimension. Quand je regarde ma soeur Esther, ou mon frère, quand je la vois comme Esther, c'est différent. Et quand je la vois comme fille d'Arabe, la dimension, effectivement, alors je m'approcherai d'elle avec autant d'amour. Amen. Donc ce ne sera pas dans notre dimension, dans la dimension où nous nous trouvons effectivement. Vous savez, quand l'amour de Dieu vous remplit le cœur, vous vous serrez dans les bras, vous n'avez pas à rien penser. C'est tellement merveilleux, dit Seigneur, qu'on voulait aller au ciel. Quand la présence de Dieu descend parmi nous, vous, quand cet amour n'est pas en toi, il y a un souci. Amen. Il faut effectivement qu'il y ait ce profond amour que comme ton frère dit, mais Seigneur, merci de me l'avoir donné. Amen. Mais c'est moi donner cette soeur. Mais vraiment que ton nom soit béni. Vous savez, hier, c'est moi qui m'a dit, hier, votre soeur ici, alors, elle avait son téléphone, elle aime trop aller sur les cantiques que vous mettez, que sa fille met sur les. Alors là, elle aime tout le temps, elle avait la vue. Et puis, hier, c'était dans, je ne sais pas moi, quelle heure, avant que mes frères arrivent. Puis, il a poussé un bouton là. Alors, elle sait que je me réjouis beaucoup. Elle vient et dit, je vais te montrer quoi. Qu'est-ce qu'elle m'a montré? Mes amis ici, là, qui sont là. Alors, ils ont chanté quand je n'avais pas entendu bien. Ça, j'avais demandé un papier là-bas. Mon Dieu, vous savez comment je commençais à sauter. J'étais tellement contente de pouvoir utiliser. Et puis, j'ai dit, moi, je lui dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour eux? Je vais encore les amener au quick ou quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, mais quand même, dis, tu vas quand même. Je sais pas, je dis, je veux tous les plats dans mes bras. Serrer chacun. Et là, témoin. J'ai dit, ces enfants, j'ai vu, je ne sais pas, mais j'ai sauté, j'étais tellement heureux en moi. J'ai dit, dois-je lui donner encore McDonald's? Dois-je donner encore pourquoi, Seigneur? Je dois faire quelque chose pour ces enfants. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Amen. Vous les avez entendus? Amen. On ne peut pas rester insensible. Vous vous sentez qu'en vous, vous voulez faire quelque chose. Amen. Il me dit, mais tu vas encore l'amener au quick. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas ce que je dois faire pour lui. J'ai envie. Et c'est tellement si merveilleux. Faire entendre, vous avez pensé, tes enfants à leur âge, ils vous ont chanté en anglais. Amen. Mais avec un. Amen. Comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas glorifier? Et quand vos enfants disent, Seigneur, aide-moi, me donner encore davantage à toi pour que ces enfants grandissent bien. Amen. Parce qu'ils ont besoin de ça. Avec autant, à leur âge, on ne le force pas. On ne le dit pas comme il faut. Non, eux-mêmes. Ils sont là, et puis quand on chante, effectivement, l'autre fois, elle écoute, il dit, ah là 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 là. En tout cas, quand j'ai entendu comment Anna est sentie, c'était la foi, moi j'avais dit, par la foi, et puis comment son âge, il dit, un par la foi, il avait une voix, j'ai dit, fais-moi écouter encore. Oh, ces jours-là dans la voiture, on était heureux, j'ai dit, fais écouter encore. Ah, mais c'est merveilleux. Amen. Vous vous sentez tellement. Alléluia. Et vous aimez ces enfants. Amen. C'est la même chose. Amen. Quand vous entendez que Dieu a fait tel pour tel frère, pour telle soeur, Amen. Votre cœur est dans la joie parce que Amen. Le bonheur de l'âme, c'est aussi Amen. Votre bonheur. Amen. La joie de l'âme, c'est aussi Amen. Votre foi. Vous voulez être heureux. Et beaucoup ne peuvent pas comprendre. Quand ils vont commencer, ah, le pasteur a toujours un œil.
C'est vrai, ils vont me critiquer, ça je sais. Ils vont parler. Ils vont parler de moi, oui. Tu les vois toujours là. Moi, je ne serai pas pour eux, je ne vais pas changer pour eux. Amen. Amen. Si Dieu a fait de moi comme ça, c'est comme ça qu'il m'utilise. J'agirai comme Dieu. Amen. Amen. C'est pas parce que l'un dit, l'autre dit, je fais ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Dans les conditions qu'on fait pour Seigneur. En demeurant. Alors plus tard, quand ils comprendront, effectivement, quand Dieu les visitera aussi, ah ben ils comprendront. Amen. Alors ils se souviendront et disent, mais certainement, c'est vrai, nous avons critiqué Dieu, nous avons insulté Dieu, effectivement. Mais nous prions que Dieu accorde la grâce. Puisse le Seigneur nous aider. Amen. Le temps avance tellement vite. Et par la foi, nous marcherons. Amen. Par la foi, nous avons la victoire. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir tous. Amen. Combien je suis heureux de vous voir ce matin. Amen. Je prie que le Seigneur fortifie encore la parole. Alors, livre-nous. Amen.